Ok, c'est bon. Il y aura une rediff, oui. C'est 1 euro par contre pour assister au cours. C'est 1 euro pour assister au cours. C'est 1 euro, ouais. 1 euro symbolique. Ou sinon, c'est un seul. Oh, fais gaffe que tes câbles sont mouillés. Oui, bah je sais. Il n'y a pas que le câble qui est mouillé. Quoi? Ouais. Non, il y a tout le câble. Mais oui, ça peut pas dire. Pourquoi il y a plus de prise? Non, les prises elles sont en haut et genre, du coup, si quelqu'un tape sur la table, ça débranche tout. En haut? Non, comme ça là, mais de l'autre côté. Genre, tu veux que je te passe de l'autre côté, Clément? Alors, pardon, je vais. On est à 15 là. Alors, à la base, ça c'est pour ceux qui ont besoin de modif. Essaye de démute Clément. Ah bah du coup il m'entend pas, mais. Donne la première instruction. Attends, Clément il a. Pardon. Clément il a une vidéo en anglais qui est en train de déplacer. Quelqu'un m'appelle? Il y a une vidéo en anglais. Une vidéo en anglais? C'est Louis. Ah oui, non, merde, c'est Twitch, c'est normal. C'est bon. Ça charge? Ouais. Si oui. Allez-y, maintenant. Ok. Allez, les deux. Alors, voilà, 15. C'est normal s'il n'y a pas de son. Comment ça, c'est normal s'il n'y a pas de son? On n'a pas de son? Non, depuis tout à l'heure, ils disaient qu'il y avait du son. Ils ont dit qu'ils. Est-ce que déjà vous nous entendez? C'est déjà un premier truc. J'avoue, ça se trouve, on a débranché un truc. Attends, c'est là-dessus le. Tout est branché. On nous entend, ok. Moi j'ai le son, ok. Donc en gros, c'est juste qu'il y a un gogol qui s'est pas activé le son sur son ordi. Parle mieux. Ok. C'est vrai, live sur Discord, techniquement. Du coup, bonjour à tous. Donc, peut-être commencer par faire des rappels sur les pointeurs. Puis après, on. J'ai un truc prolo, ça passe. Par contre, vraiment, la tablette, on peut la rapprocher. Oui, bah, on va, ok. Ah! On pourrait passer celle-là. Ouais. Ah merde, c'est pas bon. Non, il est pas sur OneNote. Comment du coup tu fais pour effacer? Mais c'est pas pareil que sur OneNote. Ça va, ça va. Système D ici. Exactement. Ok. Perso, de temps en temps, ça coupe. Ok, bah peut-être que ça vient de toi, du coup, j'espère. S'il y a un son qui saute, bah n'hésitez pas, on réexplique. Ouais, voilà, on réexplique, voilà, pas de problème. Peut-être des mémoires, on va faire des explications sur les pointeurs. Comme ça, du coup, rappel rapide sur les pointeurs. Je l'ai fait comme ça, ma mémoire. Tu vas la faire en horizontale, peut-être. En horizontale, ok. Du coup, un pointeur, c'est quelque chose, comme son indique, qui pointe dans la mémoire. En fait, je suis en plein milieu de l'écran, je suis en train de capter. Voilà. Du coup, on va commencer par faire un rappel sur comment ça fonctionne, pourquoi il y a différents pointeurs, différentes tailles de pointeurs, pourquoi les pointeurs des ints c'est pas les mêmes que les boy d'étoiles, tout ça, tout ça. Voilà. Du coup, on laisse. Ça, c'est la mémoire. Kenny faire un beau schéma. Ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est que je peux pas à la fois être devant le micro et à la fois devant l'écran et à la fois pas devant l'écran. Tu peux parler. Dans la salle. Parler bien. Vous voyez l'écran ou pas là? Et si je me mets là, ceux qui sont sur le live, ils m'entendent ou pas? Ouais. Juste garde la. Enfin, je regarde un... comme ça. Ok. Du coup, comme on est en train de dessiner les nids, ça c'est de la belle mémoire. Voilà. Du coup, au pire, mets des valeurs random en hexadécimal dans ta mémoire, comme ça on va pouvoir expliquer des trucs. Tac. Là par exemple, j'ai un F. A, E. Hein? 50, mets 50. Écoute ce que. Je sais pas, on m'a dit un E alors que j'ai mis un F, j'ai pas compris. Non, un E après. Genre. Ok. Du coup, là je mets par exemple. 15. Je mets F6 et par exemple je mets... On n'entend rien. Ah, comment ça on n'entend rien? C9. Vas-y, ok. On peut augmenter le son du micro sinon peut-être, attends. Si je monte le son du micro, c'est mieux ou pas là? Et là ça continue. Chef. Attends, en fait le micro est au minimum je crois. Attends, mais en fait là peut-être que c'est mieux. Est-ce que c'est mieux ou pas là? Parce que en fait depuis tout à l'heure le son était au minimum. Ah bah voilà. Fallait le dire avant, ok. Bon du coup si c'est mieux là déjà c'est bien. Ah, okay. Du coup c'est la détection qui faisait n'importe. Du coup fais un pointeur dans ta mémoire. Un petit pointeur. Hop, on le pointe vers allez, vers 1F, parce qu'on est gentil.
Voilà. Du coup, par exemple, on va commencer par dire que ça, c'est un pointeur de car, par exemple. Oup. Hop. Voilà. Là, j'ai un char étoile. Hop. Qui, voilà. Du coup, il pointe vers la valeur 1F. Parfait. Voilà, exactement. Du coup, déjà, tout ce même qui se passe, ça et tout, c'est quoi le size d'un car étoile? Genre, c'est quoi la size? De quoi? 8 bits, non? Ouais, c'est 8 bits, mais du coup, ça fait 1 octet, parce que size, ça renvoie en octet. Du coup, en fait, ça correspond à quoi dans la mémoire? Bah, comme Kenny l'a très bien dessiné, ça veut dire que, du coup, peut-être que tu peux faire un rond, parce que du coup, sur le live, ils ne reviendront pas. Mais du coup, ça veut dire que dans la mémoire, ça va venir pointer sur la valeur 1F uniquement. Voilà. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vient augmenter notre pointeur dans la mémoire, bah, du coup, ce que ça va faire, c'est que le pointeur, il va passer à la valeur suivante. Du coup, il va passer à 50. Parce qu'en fait, on augmente notre pointeur de 1. Du coup, il passe à la valeur suivante, parce que c'est un quart. Ouais. Et du coup, rappel, au cas où, pour ceux qui n'auraient pas compris, mais là, 1F, c'est des valeurs hexadécimales. Du coup, vu qu'un quart, c'est un caractère, bah, faut aller checker dans la table ASCII à quoi correspond le caractère 1F. Du coup, je sais pas combien ça vaut, mais ça vaut un caractère qui est beau. Voilà. Ça vaut beaucoup. Voilà, ça vaut beaucoup. C'est ça, mais c'est le caractère 1F. Sa valeur... enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que le quart étoile, il prend pas la valeur 1 et la valeur F. C'est le caractère qui a la valeur 1F. Mais quand on va checker, ça va être 1 et 1F. Parce que 1F n'existe pas. Non, parce qu'en gros... Attends, tu peux aller sur ton terminal et faire man ASCII. Comme ça, tout le monde est fixé. Non, aussi, il faut se rappeler qu'en C, il n'y a pas de... Il n'y a pas de caractère. Ça n'existe pas. C'est que des int. Ouais, mais du coup, voilà. Si tu descends dans le David X, Boucher. David Boucher. Si tu descends dans les X... on va pouvoir choper ce que correspond à la valeur 1F. J'ai 1F ici. Unit separator. Voilà. Donc du là, coup, par exemple, dans la table ASCII, peut-être que tu peux retourner avec la souris. Mais du coup, 1F, ça correspond à ça dans la table ASCII. Du coup, ce sera ce caractère-là. Parce qu'en fait, c'est sur un octet. C'est pas le caractère 1F. Il n'existe pas. C'est le caractère de valeur 1F dans la table ASCII. Parce que comme Kenny l'a bien dit, c'est chaque caractère est numérique. Comme on avait vu en C#, on pouvait caster les quarts en int, etc. Voilà, on peut revenir sur le dessin. Du coup, si vous avez suivi, si on augmente notre pointeur de 1, bah, du coup, il va passer au caractère suivant dans la mémoire. Du coup, bah, dans ce cas-là, ce sera 50. Et ainsi de suite, donc à chaque fois on augmente de 1, ça va être 50. Voilà. Jusque-là, est-ce que déjà jusque-là, tout va bien, tout est clair ou pas? Il y en a qui ont des questions sur ça. Même ceux qui sont sur le live. Je sais pas, on n'aura pas bien. Si tu veux, on déplace le micro si tu vois pas avec. Ouais, un tout petit peu. Parfait. Carré. Ok. En fait, finalement, c'est à peu près similaire à ce qu'on fait en archi. Hein. C'est la même chose pour l'instant. Du coup, maintenant, tu changes le pointeur, tu mets un autre type. Faire i étoile. En gros, t'expliques ou. Vas-y, explique. Bah, en fait, le fait de faire i étoile, c'est qu'en gros, tu vas récupérer la valeur associée à ton. Attends, je vais écrire ici. En fait, là, si tu fais i étoile, en fait, il va prendre la valeur 1f. Il va pas pointer. Ça. En fait, ça va te renvoyer, du coup, ici, bah, on avait dit en char. Mais genre, la limite des indices, genre, mets 0, 1, 2, 3, 4. Comme ça, vraiment, les gens, ils vont vraiment comprendre. Je pense que c'est un peu gros. Mais... ouais, c'est pas grave, au pire. 0. Mais du coup, c'est une bonne question, Ralph. Bien vu. 3 et 4. Du coup, en fait, le fait, en fait, on va pointer vers la valeur 1f. Du coup, vers l'espace mémoire qui est attribué à 1F. Et du coup, le fait de faire i plus 1, comme ici, en fait, ça va nous faire pointer vers 50. Du coup, il va avoir le 1, i étoile, ça vaut 50. Ouais, et du coup, i étoile, il vaudra 50. Du coup, si tu fais i étoile plus 1, i étoile égale valeur, i égale adresse mémoire. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement, t'as tout compris. Du coup, là, si tu fais i étoile plus 1, si t'as suivi, ça va te faire 2. 20, pardon. Bah, 20. J'ai dit 2-0, mais... présence. Yes. N'hésitez pas à mettre votre présence sur Moodle. Moodle, voilà. Parce et que attention, attention parce que ça se trouve c'est pas dans le bon ordre et veillez à bien mettre présent et pas dispensé, absent ou retardataire. Voilà, soyez présent quoi. Ouais, voilà. Soyez là. Donc voilà. Du coup, bah si on imagine que ça c'est notre mémoire, i de base. Non mais il faut pas dire là dans le chat, faut mettre dans Moodle. Sur Moodle, dans Back to Basics, enfin il y a une section Back to Basics et ouais. Tu peux mettre présent en cours. Au même niveau que les cours de maths et tout. Ouais. Ah, il est enlevé. Ok, ça c'est bien. Du coup voilà, donc là on a notre mémoire, donc si on considère que i pointe sur 0,
À chaque fois, i va valoir ses valeurs qui sont en bas de... Ah, je montre avec le doigt, mais ils sont là, David ne voit pas. Ça va valoir la valeur dans la mémoire. Et ensuite, à chaque fois qu'on augmente le i de 1, le i étoile, il va valoir la valeur qui est stockée dans la mémoire. Voilà. Du coup, maintenant, si on change notre pointeur et qu'on met un autre chose que... Enfin, un carré étoile, par exemple. Tu peux mettre autre chose, c'est toi qui décides. Waouh, j'ai le droit de... Ok, ça. Du coup, là, par exemple, au lieu de mettre un quart, on va mettre un int. Ouais. Ou un... Un int, ouais. On a la place, short. Ok, oui. Et du coup, peut-être, bah, du coup, fais un nouveau. Soit tu, je sais pas, tu fais un nouveau rond, genre. Oui. Du coup, est-ce que vous savez quelle est la size d'un int étoile? Du coup, ça, c'est la mémoire. Ou pas. Ça va plus loin. 8. Ouais. Mais du coup, en octet, du coup, toujours size en octet. De quoi? Ouais, un octet, c'est bytes. Et un byte B-Y-T-E, ça c'est octet en anglais. Et bit, c'est genre comme un bit en français, c'est bit. C'est ça. Voilà, ça. Enfin, pas, c'est pas forcément un byte du coup. Un quart c'est un byte, mais sinon c'est pas forcément un byte. 8 bits en octet. Un octet, c'est ça. Alors un octet du coup, c'est un quart étoile. Parce que comme on l'a vu, en fait, un F c'est encodé sur un octet. Parce que on l'avait vu en exa. Un hexa, chaque bit hexa, ça vaut à 4 bits binaires. Alors tu peux, si on écrit la valeur, 1F c'est 0001 et 1111. Genre 3011 et après 41. Du coup, un bit c'est encodé sur 32, du coup c'est 4. Oui. Voilà, c'est ça. Donc du coup, un int étoile c'est égal à 4. Ouais, du coup, ça fait bien un octet vu qu'on en a 8. Hop. Du coup, bah. Ah, t'as tout effacé. Du coup, bah maintenant, ça va plus pointer. Bah, du coup, juste sur la valeur 1F, ça va pointer jusqu'à F6. C'est ça. Ouais, si j'ai pas F6. F6. Jusqu'à F6. Du coup, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le i, il vaut toujours 0 dans la mémoire. Il pointe toujours sur 0. Que du coup, maintenant, si vous avez bien suivi, bah, si du coup, on fait i plus 1. Bah du coup, vu que c'est un int, ça va plus aller sur 1, mais ça va aller sur 4, parce qu'on augmente de 4 à chaque fois. Mm. Voilà. Est-ce que ça, du coup, c'est clair ou pas? Parce que, bah, potentiellement, il y avait le TP, par exemple, celui où on devait recoder caloc et malloc, fallait augmenter à chaque fois du hash size, je sais pas si vous vous rappelez. Et du coup, il y en a qui faisaient plus hash size, mais du coup, ça augmentait d'une valeur beaucoup trop grande, alors qu'il fallait juste augmenter de 1, parce qu'on voulait aller après le gros bloc du hash size. Voilà, ok, je vois. Le size of int, c'est 32. Ouais, bah, size of, ça renvoie toujours en octet. Ah oui, du coup, ouais. Si ça renvoie en octet, du coup, c'est pas 32 octets, c'est, bah, du coup, tu dis, c'est 4. C'est ouais, il faut faire, faut que tu multiplies par 8 pour obtenir le nombre de... Size of. Voilà, regarde. Hein. La size d'un int, c'est 4. Ok. Bah, du coup, en fait, faut que tu divises, du coup, 32 par 8. En fait, non, en fait, on a dit n'importe quoi. En fait, c'est... Tout ça, tout ce qui est en rouge, c'est le int, mais le pointeur, de toute façon, un pointeur, c'est toujours sur, comme ce qu'on fait en archi, c'est genre toujours sur, oui. C'est des adresses mémoire. Ouais, c'est ça. En fait, bah, ce cours, surtout sur les pointeurs, c'est surtout, en vrai, c'est quand même pas mal d'archi, je trouve. C'est ça. Du coup, en vrai, si vous êtes familier avec l'archi, ça passe. Et ce. Est-ce que, du coup, on pourrait dire que la taille du pointeur, enfin, la taille de notre variable, permet de déterminer sur combien de bytes est notre pointeur? J'ai compris la question, chef. Tu peux venir la poser devant le chat, s'il te plaît? Tu peux la répéter. Aussi. Ouais, mais elle est longue. La taille de mon pointeur, ouais. Est-ce que la taille de ma variable, donc par exemple k string sur ouais. Int, c'est size 4, ouais. Est-ce que c'est cette valeur-là que le c prend pour incrémenter quand je fais plus 1 sur mon pointeur? Genre, est-ce que si genre, tu fais plus 1, ça va augmenter de la valeur de la size de ta variable? Je monte de. Si je fais plus 1 sur mon int, ouais. Est-ce qu'en caché, ça ferait. Bah oui, du coup. Voilà. Bah, oui, bah parce coup. Que sinon, en fait, tu serais over. Là, par exemple, si t'as une. Alors, si t'as coup, ta variable qui est que sur 1, t'auras un override comme ça. Comme c'est écrit du coup sur le chat, la size d'un int, donc c'est bien 32 bits. Sauf que du coup, size of se renvoie toujours en octet. Du coup, ça va valoir 4. Si je dis pas de bêtises. Du coup, dans le cas précis de cet exemple, notre int, bah, il est encodé donc, sur tout ce qui est entouré en rouge. Du coup, si on vient augmenter notre pointeur i qui de base pointe du coup sur 1F50 15F6, on l'augmente de 1,
bah du coup, il va pas venir pointer sur 50, parce que du coup, c'est plus un int. Du coup, pour être sûr qu'il passe au prochain int, il va venir pointer sur 4, du coup sur C9. Est-ce que ça, du coup, c'est clair pour tout le monde ou pas jusque-là? Du coup, quand on joue avec des pointeurs, c'est pour ça que quand on parcourt un arrêt de int, on fait pas plus la taille d'un int à chaque fois. À chaque fois, on fait plus 1. Sinon, ça serait trop galère de gérer avec les pointeurs. Ouais, sinon, en fait, il y aurait juste un override de ta mémoire. Du coup, si on augmente juste de 1, hop, en fait, bah du coup, tu aurais un nouveau int, mais qui prend la valeur qui est qui dépend de celle de juste avant. Du coup, bah, en vrai, ce serait pas très utile et surtout, ce serait pas très malin en soi. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, quand tu fais plus 1, bah, c'est plus la taille de ton... C'est ça, voilà. Ce qui est encodé dans la mémoire, quoi. Ouais, la taille de c'est ton type. C'est une facilité de la vie, voilà, exactement. Je vois qu'il y a Elliot qui est en train d'écrire un message. Non. Attends. Non, c'est sans c'est... l'étoile. C'est I plus 1, ça pointe vers C9. Et c'est ça. Si tu fais I étoile, du coup, I étoile, c'est du coup tout ce que Lenny a entouré en rouge. Du coup, plus 1, ça va faire... juste, ça va changer... À la fin, ça va faire F7 et pas F6. Faut vraiment voir la nuance du truc. Ça, c'est par exemple si je prends I étoile plus 1. Ça, c'est égal à ça. Par contre, faire ça, bah, ça prendra genre toute ma valeur. Parce qu'après, la mémoire, elle est pas assez grande. Donc, ouais, bah, du coup, ouais. Parce que du coup, on est tous d'accord que après C9, t'as encore un bloc de. Bah, t'as encore de la mémoire. T'as encore de la mémoire. Ok, voilà. Donc, est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde ou pas? On n'oublie pas que quand on met une étoile. L'étoile, elle s'applique à que le i. Donc, peut-être faire un exemple, genre, parce que tu avais écrit là, c'était bien. Si on met. Tu peux ça. C'est bien ça. Dans ce qui est entouré en vert, quand on fait i étoile plus 1, le étoile s'applique que sur le i. Donc, ça va venir différencier notre i et récupérer la valeur dans la mémoire. Donc, dans quel cas ici, ce qu'on a dans la mémoire, bah, c'est tout ce qui est en rouge. Et si du coup, on fait plus 1, bah, on prend tout ce qui est en rouge, on fait plus 1. Ça va faire tout ce qui est en rouge plus 1. Du coup, à la fin, ce sera F7. Pour rappel, différencier, ça veut juste dire qu'on prend la valeur du. Bah, du coup, ici, de notre int, du coup, de notre variable, la valeur sur laquelle on pointe. C'est ça, voilà. Du coup, bah, ici, 1F, 50, 15 et F6. Voilà, c'est ça. C'est la valeur du prochain. Ça va aller sur la valeur du prochain, genre, dans la mémoire. Par exemple, faire. Comment est-ce qu'on se déplace? Attends. Hop! Ouais. Wow, trop fort, back to basics. Hein. Du coup, par exemple, là, si on fait ça. C'est différent ça. De I étoile plus 1. Ouais. Est-ce que tout le monde comprend ça ou pas, ce que Lenny a écrit au tableau? Ça, potentiellement, c'est très important pour les midterms. C'est la valeur du prochain pointeur. Du prochain int dans la mémoire, ouais, du coup. Ouais, du prochain int. Bah, du coup, à partir de C9. À partir de C9, parce qu'un int, du coup, c'est sur 4 octets. Okay. Et c'est vrai que notre exemple, il est pas très bien fait, dans le sens où notre mémoire, elle est pas assez grande. Le prochain int, et ça, c'est... La valeur. Voilà, c'est ça. Alors, i plus 1. Voilà. Et du coup, bah, si vous avez suivi, quand on va parcourir des arrêts, on va préférer utiliser la première notation parce que à chaque fois on va récupérer l'élément d'après à chaque fois quand on parcourt un tableau. Tandis que dans le deuxième cas de figure, donc ce qui est à droite du différent, ça ne va pas nous servir parce qu'en fait on va juste venir incrémenter la valeur actuelle dans notre tableau de 1, donc ce qui est vraiment inutile. Enfin, dans le cas d'un parcours de tableau. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde ou pas? Ouais. Après on peut passer à la suite et tout. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous n'avez pas compris sur comment ça fonctionne les pointeurs? Voilà, posez toutes vos questions puisque après on va. Faire un swap avec des doubles pointeurs pour se remettre avec le truc. Du coup... C9 avec les trois options. Oui, c'est ça. C9 avec du coup encore en vrai, rajoute des 3 octets. Comme ça, ouais. On se met tout le monde d'accord sur ce que ça vaut. Ouais. Mais 0, 0, 0, 0, 0. En vrai, ouais. Hein. C'est ouais. Plus simple après pour parler de la valeur. 0, 0. Du coup, dans ton exemple, Ralph, I plus 1, ça vaudra C9, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ouais. Assez clair pour tout le monde? Après, ça, c'est en hexa. Ouais, en hexa, du coup. Pour simplifier. De rien. Pas comme les tableaux, on peut pas faire case par case. Bah, du coup. En fait, ça fonctionne comme ça. Bah, du coup, si tu veux faire case par case, tu fais avec des carrés étoiles, comme on a montré au début. Ouais. En fait, vu qu'un quart, c'est encodé sur un octet,
Bah du coup, si tu fais un quart plus 1, ça passe à l'octet d'après. Du coup, tu parcours ton tableau. En gros, ça, c'est comme si c'était une case. Et ça, parce que ça, du coup, c'est une case de int, en fait. Ça dépend de comment est ton tableau. Je sais pas si vous captez la nuance ou pas. Si t'as un tableau de int, ta case, ça va être tout ce que Lenny il a mis en vert. Et si c'est un tableau de quart, bah ta case, ce sera vraiment une case comme on l'a dessiné sur le schéma de la mémoire. Parce que un quart, c'est un octet. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est good? On sait que c'est pas forcément la partie la plus fun, vous voulez programmer, mais je pense que c'est bien qu'on se mette tous d'accord au moins sur les bases des pointeurs. Même dans la salle, hein. Moi c'est bon. Tous? Ok. Ok. Tac. Du coup je passe... Du coup, l'énoncé, tu vas le mettre comment? Sur du Word Sinon on fait le... on écrit tu sais, l'entête de la fonction et après il la complète. J'avoue, hein, on peut faire comme ça. Est-ce qu'on a besoin d'un include des trucs? Non. Okay. Du coup on a... alors là on... Enfin, ouais, non, je pense pas qu'on aura des trucs pour récupérer les arguments mis. Non, on s'en fiche. Ouais, ok. Donc là on fait juste un intro de fichier et après du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup vous montrer comme en fait dans les TP on va vous donner l'intitulé d'une fonction avec ce qu'elle doit faire et du coup on va vous laisser le temps de vous-même que vous puissiez coder et ensuite on fera une correction. C'est 0 pour success, non? Ah oui c'est vrai. Je confonds avec les... Enfin je crois que c'est ça, hein. C'est 0 pour success. Dove. C'est 0 ou c'est 1 pour le success? C'est 0. 0, c'est 1. Par contre ça c'est pas comme format. Wow, alors... La collade est en bas. Où ça? La collade est en bas, ouais. Ah ok, celle-là. Alors là, Clément, juste, il est en train de en gros, de ce qui va se passer l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il faudra suivre un certain coding style, et du coup, le fait de faire ça, ça fonctionnera pas l'année prochaine. Voilà. Mais là, nous, ça fonctionne. Du coup, vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Donc du coup, première fonction qu'on va coder, c'est un swap, comme on aime bien. Mais un swap, pas comme on fait dans les TP, parce que dans les TP, on utilise des simples pointeurs. Et nous, on va utiliser des doubles pointeurs. Du coup, ça va nous permettre de revenir sur le double pointeur. Du coup, on va réexpliquer ce que c'est un double pointeur et tout. Un void, c'est un void, c'est ce que c'est interverti. Soit... On fait tout en direct. Encore une fois, si le son, il y a des problèmes de son, ou que les choses qui sont pas claires, n'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Mais A et B, hein. Voilà. On connaît. Hein. Hop. T'as mis les étoiles pas au même endroit. Je suis un trolleur. Les trolleurs. Je les mets après, c'est beaucoup plus beau. Ok, en tout cas, c'est cool pour le son. En tout cas, on est vraiment désolé au début, le micro était au minimum, du coup, voilà. Ok. Donc, la rediff sera dispo demain. Oui, normalement, la rediff sera dispo demain. Ouais. Potentiellement sur YouTube, du coup. Parce que on n'est pas en live sur Twitch. Ouais, du coup. Voilà. Donc, de rien. Donc, on va faire un swap. Donc, comme son nom l'indique, un swap, c'est pour. On va en fait venir intervertir la valeur de deux pointeurs. Donc, voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'on utilise des doubles pointeurs? Parce qu'en fait, on va venir modifier le pointeur de pointeur. Du coup, on va peut-être faire un schéma pour expliquer comment ça marche. Donc est-ce que déjà, tout le monde voit ce que c'est un double pointeur, ou on refait une petite explication dessus? Parce que potentiellement, on peut en avoir besoin en mi-terme, et du coup, ça peut être bien de revenir dessus. Parce qu'on sait que c'est une notion qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. C'est un pointeur qui pointe vers un pointeur. Voilà, exactement, t'as tout compris, Ralph. Rien de... Comme son nom l'indique, un pointeur de pointeur, c'est un pointeur qui pointe sur un pointeur. Et du coup, ça vous permet de faire des... Je veux d'avoir une explication, ça marche. Voilà. Ok. Du coup, peut-être mets genre I étoile étoile flèche, I étoile flèche I. Hein? Genre mets, c'est genre un I étoile étoile qui pointe vers un I genre étoile qui pointe vers un I. Comme ça, on explique comment ça marche dans la mémoire. Comme ça? Ouais. C'est ça? Ouais, voilà. Du coup, peut-être on va donner des noms de variables, genre mets ABC, comme ça on se met d'accord sur. Comment on appelle nos trucs.
Ça, ça va être la variable A. Voilà. Celle du pointeur B et celle de la valeur du cours, ce sera ça. C. Ah, oui, du coup, oui. Donc, dans ce cas présent, on est tous d'accord qu'on a I qui est une variable. OK ? Et donc, F, c'est B ? B ou F ? B. 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 Bah, du coup, B, c'est le pointeur de I. En fait, autrement dit, c'est I étoile, en fait. Donc, B, ça pointe vers I. Enfin, pardon, B, c'est esperluette I. En fait, à partir de I, on peut obtenir B en faisant esperluette I. Et à partir de B, on peut obtenir I en faisant étoile I. Bah, B, c'est esperluette I. En gros, le fait de faire ça, ça permet de récupérer la référence du. C'est ça, voilà, de la variable où on est actuellement. Où est-ce qu'elle est située dans notre mémoire ? C'est ça, voilà. Et du coup, dans le cas contraire, on peut aussi dire que B étoile est égal à I. Enfin, I est égal à B étoile. Genre, ça marche, c'est intervertir. Genre, on peut faire des flèches qui vont dans les deux sens. Comme ça. Voilà. Quoi ? Ça a marché deux. Mais après, pour tes beaux yeux, Clément. Ok, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ou pas ? Si on a B étoile, on récupère I. Et si on a B, enfin, si on a esperluette I, on récupère B. Parce que esperluette I permet de récupérer l'adresse de I, du coup B. Et si on a B étoile, ça permet de récupérer la valeur stockée dans le pointeur B, du coup I. Okay. C'est ok, ça marche. Différence entre l'étoile. Il y a pas de différence. Juste que il y en a un qui est plus beau que l'autre apparemment. C'est voilà, tout. C'est tout. Ça dépend comment tu veux noter tes trucs, mais il y a pas de différence. Donc qu'est-ce que déjà ça va pour le pointeur simple ? Et comment on accède à I à partir de A ? On est d'accord que A étoile c'est égal à I du coup, c'est égal à B du coup, parce qu'en fait A pointe sur B et B pointe sur I. Du coup, A étoile, c'est égal à B. Voilà. Et du coup, on est d'accord que B, enfin esperluette B, c'est égal à A. Parce que A pointe sur B. Ça disparaît. Non, tu peux pas. Si tu fais. T'es sûr ? Bah ouais, tu peux récupérer. C'est moi qui viens de dire non. Tu peux récupérer. C'est avant le. Ah ouais? Ah okay. Tu voulais dire pour récupérer la valeur d'un. Ok, my bad. Ah c'est avant. On apprend. Peut-être quand on définit ça. Ouais, c'est peut-être quand on définit. Ok, mettez toujours les étoiles avant. Voilà, c'est ça, les étoiles avant. Les étoiles avant le nom de votre variable. Du coup, par exemple, quand vous initialisez. Attends, je vais le faire sur vie. Par exemple, vous faites int, et du coup, après, vous mettez votre étoile et votre a égal à ça. Du coup, avec ce que vous voulez. Ah, si tu veux différencier, du coup, je pense. Non, c'est pareil. Mais genre que comme ça, au moins, t'es sûr que ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Tu mets toujours le. C'est ça, voilà. Juste avant ta variable, le nom de ta variable. Voilà. A, c'est égal à esperluette B. Est-ce qu'on est tout le monde est d'accord ou pas avec ça? Esperluette B qui est égal à I. Esperluette permet de récupérer l'adresse d'une variable. C'est pas la même chose que étoile? Non. Esperluette et étoile, c'est deux choses différentes. En fait, c'est l'inverse. C'est comme racine carrée et la fonction carrée, quoi. En fait, le esperluette te permet de récupérer l'adresse d'une variable, que ce soit un pointeur ou pas un pointeur, et le étoile te permet de transformer ton pointeur en faire quoi il pointe. Ça va ou pas ça ? C'est un peu méta. Pour l'instant, c'est logique. Ok, merci le chat. Ok, du coup, A. En gros. Sinon, peut-être on peut faire des flèches, tu sais, de A qui va vers B et B qui va vers A. Genre, tu fais. Ah, ok, ouais, je vois. Du coup, on va refaire le schéma. Ouais. Hop, on va tout refaire. Genre avec ces flèches esperluette et flèches étoile, ok, on s'est compris, c'est cool. Int, du coup, de étoile. Du coup, on va l'appeler. On va garder A, pour éviter de perdre. A. Qui. Si on définit une variable. Qui pointe vers. Ouais. Qui pointe vers, du coup, B. Ouais. Qui pointe vers. Le int i. C'est ça. Je peux les faire en. Du coup, en gros, c'est comme le tableau. On recommence par B vers I et I vers B parce que c'est le plus logique et après on fera avec les deux compteurs. Alors, B vers I. Déjà, pour tout le monde, si on a B, B qui est le pointeur de I, comment on fait pour récupérer I à partir de B ? On fait étoile, exactement.
Donc voilà. Ouais, la flèche. Voilà. Et il a dit lequel ? Du coup là c'est étoile. Donc c'est B étoile, on va pouvoir obtenir I. B étoile ? Voilà. Et dans le cas inverse, si on a I et qu'on veut obtenir l'adresse de I, comment on fait ? Esperluette. Exactement, esperluette I. Est-ce que pour le chat ça c'est clair ? Enfin en fait c'est vraiment la même chose qu'on a écrit tout à l'heure, mais du coup hein, peut-être un peu plus clair. Est-ce que oui. Esperluette, ça marche du coup pour avoir étoile A ? Oui. Oui, d'accord. Du coup, oui. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as écrit esperluette I, en fait le compilateur le sait, en gros il va le voir comme étant B. En gros c'est comme s'il voyait B à la place. Du coup en fait tu peux faire des trucs composés comme ça. Je sais pas si tu vois. Oui. Mais du coup ça marche, ouais. Ok, donc maintenant on va passer de A vers B et de B vers A. Ce qui est en fait finalement la même chose, c'est juste que bah, c'est des pointeurs, mais ça marche de la même manière. Ok. Du coup, bah, pour aller de B vers A, on prend la référence de B. Ouais. Et pour aller de A vers B, on prend la valeur du pointeur de A. C'est ça, ouais. Est-ce que jusque-là c'est clair ou pas pour le chat? C'est good. Ou pas. Et même dans la salle. Hein. Ouais, même la salle aussi. C'est vrai. Du coup, si vous avez bien suivi, comment on fait si de A on veut avoir I du coup? Oui, Clément. Étoile A. Bien vu. Donc en fait, on va venir. On fait étoile A. Je ne sais pas si vous avez entendu dans le chat. Étoile B. Non, alors c'est pas étoile B, parce qu'en fait... Ah oui, là, il a modifié. Okay, je pense qu'il a dû misclick, ouais. Je pense. En fait, basez-vous sur la valeur de votre... Enfin, sur le nombre d'étoiles que vous avez dans le type. C'est ça, voilà. Si, vous pouvez pas en avoir deux s'il n'y en a qu'un seul. Bah, j'imagine que techniquement, tu peux, mais ça te fait un truc que tu veux pas, parce que c'est pas des valeurs que tu as définies, toi. Bah, tout le monde, t'as un sec-fault. Ouais, c'est ça, voilà. Donc on évite de faire des étoiles quand ils n'existent pas. Mais du coup, bah, comme ça a très bien été dit, en fait, on va venir mettre deux étoiles. Parce que, en fait, A, quand on fait une fois une étoile, ça va faire B. Donc A étoile, ça fait B. Et ensuite, B étoile, ça fait I. Du coup, si on fait étoile A, bah du coup, ça donne I directement. Hop. Et là, je peux... Est-ce que vous voyez encore ? Enfin, alors, est-ce que c'est encore lisible ? Alors, je rezoome un peu. Voilà. Et ça nous fait. Tu veux une souris ou pas ? Non, c'est bon. Voilà. Donc est-ce que ça c'est clair, les amis, ou pas ? Enfin, c'est peut-être un peu tricky à visualiser le truc, mais du coup, peut-être qu'avec le schéma, c'est un peu plus simple. Ouais. Mais du coup, on va voir pourquoi est-ce que ça c'est super utile bah, pour le swap, en l'occurrence, parce que vous imaginez bien qu'on vous explique pas ça pour rien, et qu'en fait, ça a une utilité toute faite derrière. On attend que Terbo pose son message. Non, franchement, c'est bien expliqué. Bah, super, merci, ça fait super plaisir. C'est un graphe ? Un peu, c'est un graphe orienté. Le schéma est satisfaisant. Si vous voulez, on peut. Ah, bah, il l'a envoyé. Ok, j'allais dire, on le screen, on l'envoie. Bah, ok. Voilà. Ok. Incroyable. Du coup, pourquoi est-ce que ça sert pour le swap ? Vous n'êtes pas sans savoir que. Peut-être tu peux revenir sur le. Voilà. Et genre dans le main appel swap, enfin on fait comme si swap était défini et appel swap. Bah du coup faut que je fasse un int. Appelle juste swap et mets genre 5 et. Enfin, ouais, du coup crée deux variables my bad et après tu les appelles. Ok, donc j'ai int. Oula. Ah. Ça. Et swap de A et B. Tu peux les appeler CD ou pas les lignes 12, 13. Donc on explique qu'en fait c'est copié dans la fonction, genre c'est pas les mêmes variables. Genre là, ici ? Non, en gros, genre dans le main, tu appelles les variables différemment que dans... Ok, ouais. Oh bah ça aurait été pareil si j'avais fait... Ouais, ouais, pareil. Du coup, bah, c'est D. Voilà. Du coup, est-ce qu'on est d'accord que quand on va venir appeler notre swap, ce que va faire en fait le C, c'est que quand on lui donne C et D, et qu'il va du coup appeler la fonction swap, il va venir copier les valeurs stockées dans C et D. Il ne va pas directement récupérer C et D. Enfin, ça, c'est le cas dans toutes les fonctions, dans tous les langages de programmation. Genre en C#, quand on fait un truc sur une chaîne de caractères,
En fait, ce qui est fait, c'est que c'est la chaîne de caractères qui est copiée. Et après, du coup, si on veut en faire quelque chose, il faut qu'on le mette dans le return de la fonction, et comme ça, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, en fait, finalement, le C et le D qui sont donnés en argument de la fonction, à la ligne 14, en fait, dans la mémoire, c'est pas les mêmes qui vont être donnés à la ligne 3, du coup, qu'on va récupérer dans le swap. Et du coup, en fait, c'est pour ça, c'est pas le cas pour les listes. Bah, oui, en fait, c'est... Vas-y. En fait, c'est plutôt, ça vient plutôt du fait de comment fonctionne le langage. C'est ça. Par exemple, en Python, ils ont décidé de faire en sorte à ce que les listes passent, du coup, soient des pointeurs, les listes. C'est ça. Et du coup, pareil en C#, j'imagine. C'est et, des pointeurs. En fait, ouais. on passe pas la valeur, mais on passe du coup la référence. Tu peux faire un petit schéma ou pas? Ouais. Parce que du coup, peut-être que ça va être super clair pour tout le monde. Ouais, t'as le stylo? Tu peux effacer. Tu peux, je remettre sur un espace plus plan. T'aurais pu effacer, mais vas-y. Ok, ça marche là? Okay. Donc, je vais avoir un A et un B. Et j'appelle mon swap sur AB. Donc, ça c'est ma fonction dans le main. Là j'ai le main. C'est hyper sale, je suis désolé. Attends, je vais peut-être faire un truc un peu plus propre. Comment on efface? Tu as là, et en fait ça supprime tout ce que tu as fait en un seul trait. Ok, carré. Là j'ai mon main. T'as effacé la virgule. Ah. C'est vraiment ghetto. Ah! Pourquoi t'as mis deux parenthèses? Où ça? Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait n'importe quoi. Du coup, on est d'accord que dans notre mémoire, le A et le B, ils ont une adresse mémoire. Quand en fait on crée une variable, ils ont une adresse mémoire. Et du coup, on va comprendre pourquoi est-ce qu'en C#, quand on appelle une fonction, même dans tous les langages de programmation, c'est la liste directement qui est modifiée. Donc en fait, je sais pas, on va dire que là j'ai ma mémoire. Donc genre dans ma mémoire j'ai ça, elle est comme ça, j'ai plein de trucs dans ma mémoire. Du coup, je vais créer mon A il va être là, puis je vais créer mon B il va être là. Peu importe, ils sont dans ma mémoire, ok? Et puis là, je continue, j'ai ma mémoire qui continue. Okay. Ensuite du coup, je peux descendre un peu encore, mais désolé, je fais n'importe quoi, mais... Attends, juste faut que t'enlèves ton... Ok, my bad. Comme ça? Voilà. Du coup, j'ai mon swap. Donc ça, c'est ma variable, donc c'est ma fonction, pardon. Oula, j'ai mis void avec un W, ça va pas le faire. Je vais me faire taper sur les doigts après. Ça, c'est ma fonction. Mon swap. Avec un C et un D, par exemple, en argument. Bon, j'ai pas mis les types, mais vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, à chaque fois que j'appelle mon swap, ce que fait c'est qu'il va venir prendre la valeur que je lui ai donnée et créer une adresse mémoire pour ces variables. En fait, à chaque fois, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir mettre C et D dans ma mémoire, ici, là. Et du coup, en fait, mon A, mon B, mon C et mon D, ils n'ont pas les mêmes mémoires. Même si je récupère la valeur de A, et qu'en fait, indirectement, dans ma mémoire, la valeur de C et la valeur de A, c'est la même, bah, pour C, c'est deux endroits mémoire différents. Du coup, en fait, quand je passe une liste en argument à une fonction en C ou peu importe, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer un pointeur à C. Donc, en fait, finalement... Si là j'ai un int étoile, donc genre tu peux remonter un peu au-dessus. Voilà. Si là j'ai un int étoile, je vais effacer ça du coup. J'ai pas cliqué sur la gomme, ouais. Super. Voilà. Si mon A et mon B c'était int étoile, tu peux redescendre du coup. Du coup, si je vais. Donc je sais pas, on va dire que A ça pointe sur la valeur 10. Que B ça pointe sur la valeur 11. Bah, du coup, quand je vais venir copier mes pointeurs dans la fonction swap, mon C et mon D, ils sont pas stockés pareil dans la mémoire, mais par contre, mon C, il pointe sur 10, et mon D, il pointe sur 11. Et du coup, ça me pose aucun problème, parce que du coup, les variables que j'ai pointées, bah, je vais pouvoir les récupérer, en fait, derrière. Du coup, c'est super pratique. Et du coup, c'est pour ça que quand on donne des listes en Python, en fait, ce que fait le langage, c'est qu'il va créer un pointeur pour ma liste, et du coup, c'est pour ça que dans ma fonction, la liste, elle n'est pas copiée, c'est juste le pointeur qui est donné en argument. Et du coup, bah, en fait, quand je vais venir modifier, rajouter des éléments dedans, vu que c'est le pointeur que j'ai récupéré, bah, en fait, c'est la même liste, elle n'est pas copiée. Du coup, c'est pour ça. Et c'est le cas aussi en C#. Et en Python, du coup. C# Python. Du coup, j'espère que je réponds à ta question, Xalo. Et du coup, bah, dans notre cas précis, si on veut faire notre swap, okay, on ne peut pas juste mettre ici... Si swap, ça c'est des ints. C'est genre si j'ai un int A ici, enfin A c'est un int et B c'est un int.
je ne peux pas juste venir intervertir A et B, parce que quand je vais sortir de ma fonction, bah, ils vont être détruits. Comme on l'a vu tout à l'heure, mon C et D, en fait, quand ils sont appelés, ils sont détruits, parce que ce n'est pas les mêmes que mon A et mon B. Du coup, plutôt, ce que je vais faire, c'est que je vais venir récupérer les pointeurs de ces deux variables, et vu que ces pointeurs ils pointent sur les mêmes valeurs, en intervertissant les valeurs stockées dans les pointeurs, ça va fonctionner. Du coup, c'est comme ça que fonctionne le swap. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'en argument de mon swap, j'ai des pointeurs et pas des variables simples. Comme ici. Voilà. De quoi ? Ah, c'est OK. En fait, c'est pas des doubles pointeurs, en fait, c'est des pointeurs simples qu'on a dans le swap, je suis en train de réaliser. Non, parce que du coup, tu modifies le, tu copies la valeur du pointeur, et après, le pointeur, il est interverti, du coup, c'est un pointeur simple. C'est juste tu peux le voir comme étant un pointeur simple. Oui. Mais après, du coup, tu appelles avec esperluette, c'est avec un pointeur double, tu appelles sans esperluette, du coup. Voilà, du coup, c'est pour ça qu'il faut utiliser esperluette, t'as tout compris. Et du coup, c'est pour ça que dans les TP qu'on a fait en C, on utilisait les esperluettes. Parce qu'en fait, on ne peut pas juste récupérer la valeur, mais il faut qu'on récupère le pointeur qui pointe sur la valeur pour que du coup, on puisse intervertir sans qu'il y ait de problème de suppression une fois qu'on a appelé notre fonction. Donc, genre, je sais pas si vous voyez mon curseur, mais du coup, ici, là. En fait, à la fin de ma fonction, A et B, en fait, vont être supprimés. Donc, voilà. Et du coup... Non, dans le swap. Et du coup, malheureusement... Main, quand du coup, ton programme, il a fini de s'exécuter, t'as plus rien. Vu que c'est une fonction de TP, on n'a pas le droit de vous montrer le code pour la faire. Parce qu'il faut juste qu'on vous explique les étapes pour la réaliser. Mais du coup, potentiellement, on peut réfléchir ensemble à comment on peut faire un swap avec des doubles pointeurs. On l'a déjà fait, ça ? De quoi ? Avec des doubles pointeurs ? Non, mais du coup, là, on peut faire avec des doubles pointeurs. Ok, oui. Et enfin, techniquement, c'est pareil, c'est juste que c'est des doubles pointeurs. Non, tu seras changé l'argument de la fonction, ça change pas la fonction. Voilà. Est-ce que du coup, ça, c'est good pour tout le monde ou pas ? Je sais pas comment on est sur la discussion. On est 39, on est beaucoup. Eh B. Vous êtes beaucoup, les amis. Ça, et ce avec ça là ouais. Ok, bah en vrai why not hein. Whiteboard c'est pas le truc de Discord là non enfin ce qu'il veut dire c'est que en vrai si tu donnes pas le code mais que tu expliques l'algorithme à l'écrit. Ah ok, je t'ai laissé écrire parce que moi je galère. Frérot je sais pas écrire. Ok. Du coup, question, tu veux qu'on échange les places si t'as envie de coder ? Enfin, bah non, du coup. Bah, du coup, je te laisse écrire. Vérifie juste que ce qu'on raconte, c'est pas n'importe quoi non plus. Mais du coup, est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas dans le chat et même dans la salle ? Ouais, c'est good pour tout le monde. Je crois que ça marche pas, esperluette, esperluette. Je crois que. Parce que c'est. En fait, esperluette, du coup, on récupère la case. Et du coup, on peut pas récupérer la case de la case. Peut-être que ça marche pas. Mais en tout cas, étoile, ça marche si t'as créé un pointeur de pointeur. Merci beaucoup Thomas, t'es gentil. Yes sir. Bah, c'est good pour tout le monde. Donc est-ce que déjà tout le monde a de quoi coder devant lui ? Parce que potentiellement nous on va juste écrire l'algo. Une fois écrite, comment on teste avec GCC ? Alors du coup tu fais GCC et le nom de ton fichier si j'ai pas de bêtises. Et après, ouais. Tu rajoutes les flags, donc genre W-error et W-extra, si tu veux avoir les... Ouais, voilà, c'est ça, voilà. Si tu veux avoir en vrai, je pense que pour ça, je pense pas que t'en aies besoin. Les flags vous seront donnés au hasard. Pour que ça marche, il faut créer un pointeur temporaire. Tu peux, du coup, si tu veux copier. Parce que je crois pas qu'en C, tu puisses intervertir directement de variables comme on fait avec C-Sharp. Parce que le double esperluette, en fait, c'est un opérateur... Ah, ouais, c'est pour ça. Du coup... Bah en fait, on peut techniquement passer par une autre variable. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah. Non, c'est juste que... Fais te reconnaître. C'est juste que je... Ok. Ça marche. Ok. Le int main, ouais bien sûr. Tout le monde voit l'écran là. Hop,
Ah non, mais attends, vas-y, remets. En fait, c'est parce que je voulais écrire un truc, parce que j'ai pas clavé. Ah, en fait, t'étais là-dessus, en fait. Ouais. Ah, c'est pour ça. Bah, toi, tu peux l'écrire, au pire. Ah, tu veux que j'écrive quoi? Juste écrit du coup là que le esperluette esperluette ça fonctionne pas parce qu'en fait c'est un opérateur yes. Binaire. Chef. Ouah, il a rien dit. Il les a jugés là. Bon, allez, faites voir vos soirs. Non, mais quel son. Bon. On peut les corriger. On peut les corriger. Pas. Là, s'il y a quelqu'un qui passe et qui nous donne la sienne, c'est bon. Et on la corrige. On le montre pas. Non, on corrige en live. Ça passe, non, Clément? C'est Axel qui a vu avec David. J'avoue, toi qui as vu avec Monsieur Boucher. Non, c'est David. En gros, David Boucher, il a dit que si. Comment je fais pour couper le son d'un. Je vais couper la discussion. David Boucher a dit qu'en fait, on peut pas vous donner le code directement, parce que sinon ce serait du cher code. Ce que je peux comprendre complètement, parce que finalement, si on donne du code, bah vous apprenez pas vraiment. Et surtout, du coup, c'est mieux... ça fait du cher code pour les années d'après. Ça, voilà. Du coup, c'est mieux que vous fassiez le code de votre côté. Et du coup, après, comme ça, potentiellement, on peut demander à quelqu'un de expliquer comment il l'a fait et tout. Il vient en vogue, il demande la parole et il explique ce qu'il fait. Ouais, mais c'est juste que ChatGPT te dise non, puis voilà. Hein. Pourquoi tu me références? Ouais, pourquoi il change les pointeurs ou les variables vers lesquelles les pointeurs ils pointent? Genre, t'as une variable A, une variable B, et du coup, il faut que la valeur stockée dans A et la valeur stockée dans B soient inversées. Ouais, du coup tu modifies les pointeurs. En fait, ouais. Il... Oui, ils pointent plus vers le même endroit du coup. Enfin, ils échangent. Bah, du coup, dans ce cas-là, les pointeurs vont plus pointer vers le même endroit. Oui, du coup, ils vont s'intéresser sur les pointeurs. Mais c'est pareil en fait. Si tu confirmes avec les pointeurs de pointeurs. Explique que c'est pour des opérations binaires. Attends, je re-regarde. Au pire, ils entendent là, on peut leur expliquer alors. Ouais, j'avoue. Mais juste parce que en fait, il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Du coup, bah, genre, si quelqu'un a pas trop suivi le live et que juste il arrive et qu'il voit ça. Mais il avait qu'à suivre le live. Si elle a redis. Tu te dis qu'en gros tu veux changer les deux pointeurs. Ouais, c'est bon. C'est mal à goût. Ouais, parce que imagine, on n'a pas record. C'est genre. Bah, fallait être là, les copains. Voilà. Au pire, en vrai de vrai, vous pouvez relire les cours de Monsieur Boucher. C'est ça, voilà. Et même refaire les exemples qu'il donne. Bah, du coup, avec un. Mais du coup, techniquement, si on monte le cours, on a le droit. Ok, ça, t'as pas le temps. Ouais, mais enfin, parce que techniquement, genre, toi, t'as vu ce qu'il donne ou pas des fois comme genre des fois, mais c'est très déconstruit ce qu'il. Ouais, mais par exemple, le swap, je crois qu'il l'a fait dans ses TP, donc on peut montrer, expliquer pourquoi ça fonctionne. C'est vrai que le swap, il l'a fait en TP. Hein. Enfin, il l'a fait dans ses cours, je veux dire, potentiellement. Tu veux que je t'envoie le comment on peut faire là-dessus? Tu penses que tu peux connecter sur Moodle? Tu demandes à Clément, comme ça on peut peut-être montrer. Mais je pense pas que Clément il y a accès. Bah si, il a accès au truc l'année dernière. Tiens, j'envoie un screen. Le swap, c'est le premier cours du proc CM. Bah voilà. Et du coup, là, faites attention, c'est des pointeurs de pointeurs. Du coup, on va venir pas modifier directement les variables, mais du coup, ce qui est pointé par nos pointeurs de pointeurs. Je sais pas si vous suivez. On peut pas corriger. Bah, du coup, on va corriger, mais avec un algorithme écrit. Genre, on va pas vous donner la correction pour cette fonction. Mais après, pour les fonctions plus compliquées, on a prévu. En vrai, si vous avez un doute de pourquoi ça marche pas votre truc, vous pouvez toujours l'envoyer dans le. Alors, si on est en plein live, vous pouvez l'envoyer ici avec la notation de. Code, pour faire du code, ouais. C'est comment ça s'appelle le caractère? C'est. Enfin, je sais lequel c'est, mais juste faudrait l'envoyer. C'est lui là. Ouais, je sais, mais en fait, faut l'envoyer. Bah attends, je peux aller sur Discord. Ouais, tu peux. Ok. C'est pas le bug guillemets. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un backslash, mais en guillemets. C'est ça. Alors, en gros, vous. Pour faire. Non, c'est pas ça. En gros, vous faites. Ah bah attends, vu que je suis en live. Je pense qu'ils savent, hein. Non. Ah, et puis t'as l'élite de l'élite, on sait comment faire du code quand même. Et après tu mets C, et après en plus ça met ouais, le ouais. Oi, 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 mais il est trop fort cet homme. Mais du coup, comme je l'ai expliqué, enfin comme Lenny l'a expliqué, les fonctions d'après, on va pouvoir du coup les. Ouais, voilà, comme ça. Voilà. Je vais pas faire la fonction. C'est vrai qu'on peut faire ça techniquement. On peut faire ça techniquement, c'est vrai que comme ça on vous donne directement l'architecture des fonctions, c'est pas mal. Du coup, c'est comme ça. Voilà. Alors.
échanger la valeur. Voilà, l'artillerie. A et B. Là, en fait, ce que tu fais, ça me paraît. Pour Wolf, ça me paraît pas trop mal, ouais. Moi, je vais changer les deux. Pour par contre. La deuxième, elle est bonne. Oui, en fait. T'expliques où je fais Vas-y, tu peux y aller. En gros, Elliot, ce que tu fais, toi, en faisant ton int double pointeur intermédiaire, en fait, c'est juste que ton intermédiaire, il va valoir A. Et comme il va valoir A, ton intermédiaire, et ben, enfin, du coup, il aura la même référence que ton A. Du coup, en fait... Attends, ça me paraît bateau. En fait, il faut que tu copies ce qu'il y a à l'intérieur de ton A. Faut pas que tu copies juste la référence de ton A. Attends, Ralph, du coup, il a modifié ce qu'il a fait, là, chef. Ah ouais ? Il s'est inspiré de ce qu'a fait Elliot. Attends, bah, en vrai, on peut toujours tester. Hein. Oui, oui, je l'ai modifié. Mais pourquoi tu modifies ? C'est ça ? C'est ça ? Attends. C'est bien comme ça. Attends. Ah oui, oui, mais parce que du coup, en fait, avec le truc de Ralph, en fait, je me suis trouvé... Mais en gros, juste en fait, là, tu prends juste la référence de A et ensuite, là, tu la swap. Oui. Du coup, oui, c'est juste ça, en fait. Oui, oui. Je suis débile. Oui, oui. Non, mais si, c'est ça. Non, mais, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Là, envoyez vos logins. C'est quoi, non ? Je sais pas. Oui, on a pas qui sont retrouvés. Est-ce que c'est ça ? Oui. En fait, en fait, ça dépend de ce qu'on veut faire, tu vois. Si ce qu'on moi, veut. Je vais changer les deux valeurs qui sont comptées. Ouais, c'est ça. Non, c'est si. Ça, hein. Non, le truc de Salma, oui, c'est. Mais du coup, ça, c'est faux. Oui, oui du coup, oui. Okay. Moi, je parlais pour Salma. Ça dépend ce qu'elle a fait, Salma. En gros, tu échanges les deux valeurs comptées. Oui. Mais comment tu as deux une méthode de faire, je comprends pas. Non, il y en a qu'une. Attends. Pourquoi c'est pas du double compteur ? Tu peux zoomer ou pas ? Ah zut. Mais après normalement on rajoute juste une étoile genre. Non, ouais, c'est ça. Hein ? Normalement c'est juste ça. Ouais, mais là, parce que non, mais en fait là c'est parce qu'ils prennent la référence de leur Non, ça dépend de la consigne. Non, mais en haut. Okay, en fait... Parce que même ça, en fait, genre oui. Là, ce que tu fais, tu échanges tes pointeurs. Ouais. C'est pas ce que tu veux, non ? Dans un swap. Oui, dans un nous, swap. Nous, ce qu'on veut, peut-être on n'a pas été assez clair. Ce qu'on veut, nous, c'est changer. Donc, mais, en fait, on a A qui va pointer sur un pointeur qui pointe vers une valeur. Du coup, là, ton A, il va pointer vers l'ancien là, pointeur de B, en fait. Juste les pointeurs de pointeur. Oui. Du coup, c'est pas intéressant. Ouais. Non, mais je change les valeurs. Je sais pas si ça change. C'est normal. Aïe, ah oui, parce que. Attends, il y a moyen que tu. Bah, De quoi ? Après, chef, c'est normal parce que ton site n'est pas initialisé. C'est quoi ce test ? J'avais pas non, mais frère, c'est pas nous, c'était juste pour montrer un truc au début, mais c'est pas du code à changer. Ce test. De quoi ? Ce test. Si tu veux swap de choses, chef, il faut que tu donnes des valeurs à ton C. Et à ton D. Mais int. Tu fais. Ah. Ah c'est Vim, hein, c'est toi. Hein, en fait, oui, mais faut qu'on suive. Là, tu mets doublé. Voilà. Voilà. Ça marche pas. Ça, c'est un test. Ça marche pas non plus. Ça, c'est un opérateur booléen. Ça marche pas doublé. Donc, ça fonctionne comme ça. Si, en vrai, ça, il y a moyen que ça fonctionne. GCC, hein. Fais un pointeur, une variable pointeur de int temporaire. Mais c'est ça, en vrai. Oui, en vrai, tu veux faire une valeur. On va utiliser imax. Ah non, commencez pas. En vrai, utilisez juste l'endroit où vous êtes le plus à l'aise. Moi, j'ai 0 sur 20, je peux pas tester mon code chez WAM. Qu'est-ce qu'il a fait, Thomas ? Bah, comme ça. Mais en fait, encore une fois, c'est juste nous qui sommes débiles parce qu'on n'a pas vraiment précisé ce qu'on voulait faire en fait. Ça dépend si on veut intervertir les pointeurs de pointeurs, les valeurs stockées dans les pointeurs de pointeurs ou changer les pointeurs. C'est beaucoup de pointeurs. Non, alors pas sur les chiffres du coup. Ouais. Ah oui, putain, c'est bizarre. Ok, là, non, tu, genre juste clique molette. Non, ça fonctionne pas. T'as pas besoin de. Ah, donc là, je peux faire aussi. On a voulu faire un truc bien, mais en fait, ça marche pas. Ouais, non, ça fonctionne pas, Clément. Ça fonctionne pas, bah fais des variables. Hein. Sinon, on fait des pointeurs simples. Oui, c'est ce que j'allais faire. Sinon, on fait des pointeurs simples et on fait là le swap de base. Bah, du coup, en fait, moi, ce que j'allais faire, c'est ça. Ouais, tu fais des variables en plus, mais c'est relou. Je t'ai envoyé mes tests. Quoi, c'est pareil, hein. Là, et du coup, après, on a juste affiché C et D pour montrer attends, que ton truc est demande pourquoi est-ce qu'il faut qu'une seule étoile. Elliot, tu dis ça à qui ? En vrai, il faut que tu pourrais répondre.
PTR. De quoi? Vous êtes trop pas? Non. On a des trucs. Chef, on a pas eu le temps, désolé. Les gens ont mis une étoile, moi deux. Oui, parce qu'en fait, le truc c'est que toi, Elliot. Attends, je regarde ton truc si t'as fait Elliot. Tu l'as mis où? En fait, toi, Elliot, ce que t'as fait, c'est bien parce que du coup, tu récupères la bonne valeur. Sauf qu'en même temps, toi, ce que t'as fait, c'est que toi, tu swaps les références, mais pas les valeurs stockées dans les pointeurs de pointeurs. Je sais pas si je suis clair. En fait, l'idée. Ouais, c'est ce que j'allais faire, ouais. J'allais faire ça. Et du coup, tu print F. En fait, l'idée, c'est qu'il faut venir modifier le. Ce qui est stocké dans le. Donc ton A c'est ton pointeur de pointeur et tu viens récupérer la valeur stockée dans le pointeur de pointeur. Ok, oui, c'est donc ça. Ton pointeur pointe sur un pointeur qui pointe sur une valeur et nous on veut swap ces valeurs. Regarde, je sais pas si je suis clair. Je vérifie. J'ai pété d'air, non. Le pointeur de B. Ah, j'ai compris, c'est... ok, ça marche. C'est un petit peu plus beau comme ça. Encore une fois, c'est la première fonction. On n'a pas eu le temps de bien préparer le. On avait le temps de bien préparer le cours. C'est un peu à la one again dernière minute. Du coup, désolé si c'est un peu. Un peu long à démarrer, quoi. Ça, ça marche, normalement. Normalement, ouais. Ce que fait Eleni marche. PTR1. C'est ça, hein, on est d'accord, lui. Quoi? Oui, le test que t'as fait. Oui, parce que Louis il a fait le test. Là, tu peux zoomer un peu, non? Oui, en gros, oui. Non, je pense qu'il voit bien. Non, oui, je vois bien. Je pense qu'il faut pas non plus trop qu'on s'éternise parce qu'on a après, plein de trucs. Zoomer pour les gens sur le live. De quoi? Comment zoomer pour les gens? Comment on zoom sur son truc là? Bah, je sais pas, ouais, c'est ça. Sur le live, vous voyez bien le code. Bon, encore une fois, on peut pas trop cher code, mais au moins juste vous montrer les définitions. Là. Et du coup, ici, ouais, du coup, en gros, ce qu'il y a ici, enfin, du coup, le esperluette PTR A, du coup, PTR pour pointeur de A, car il pointe vers la valeur de A. En gros, ça, c'est un double pointeur, du coup. C'est pour ça que. Ah oui! Ok, oui, c'est parce que j'écris PTDR. La mémoire musculaire, mec! Ah bah bravo! Il a écrit PTDR à la place de. Voilà. Il est avec des flags, s'il vous plaît, genre. Oh, bon, ok. W all. Tiret. Ah, mais STD attends. Égale 799. Qu'est-ce qu'il me raconte? Attends, répète. Mais qui c'est moi, ça? Moi, je mets W extra, all error. Bah non, frère. Putain, t'es zinzin à mettre des nombres. Ça y est, monsieur, arrête, il fait de. Il a fait la piscine. Ouais. Mais ouais. Maintenant, il est trop habitué. Voilà, allez hop. Mais pourquoi maintenant ça, c'est normal. Ça, c'est normal, ça. C'est normal, ça. Parce qu'on n'a pas utilisé nous. Ah oui, ok. J'étais pas bien. J'ai pas fait fonction. Bah oui, j'étais là, j'étais un mec qui s'est fait. Il est trop rapide, ouais, Clément. Mais, ouais, mais du coup, en gros. Bah. Ok. Dites-vous, juste là, les erreurs, c'est juste des warnings. Alors, ça empêche pas notre code de compiler. Parce que là par exemple, là, du coup, si je fais un LS. C'est 99. Bah, en vrai, enlève le W extra en vrai, parce qu'il a mis W. Non, enlève W error parce que chaque warning c'est une erreur. Ouais, c'est ça. Ah oui, du coup, il le fait d'accord. Pas. Si. W error, ça transforme les warnings en erreur. Ah, attends, mais nous on l'a pas dans notre PHP. Non. Ok. Voilà, tu vois, du coup, là ça devient juste des warnings. Du coup, là ça veut dire que là. Parce qu'on n'utilise pas notre fonction en fait, c'est tout. Ouais. Et du coup, on peut faire. On peut exécuter notre main qui ne renvoie rien. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. En gros, on l'a pas faite parce qu'on cherche pas. Voilà. Mais potentiellement, sur les prochaines fonctions, on pourra vous aider avec la correction parce que c'est des inventions de toutes pièces. T'as raison, un pouvoir implique de grandes responsabilités. Et du coup, si j'ai pas n'importe quoi. Je peux pas. Ah, s'il faut appuyer sur insert. Il voulait insert là-dessus. Tu fais quoi? I pour insert. Ah, je sais pas. Du coup. À la fin de ça, il faut que A soit égal à 10 et que B soit égal à 42. Ouais, PTR. Non, pas PTR, genre juste A. Ouais, non, mais juste pour dire que PTR c'est un int. Pointeur. Pourquoi ça a mis sigma? C'est le truc, je recommence pas. Pourquoi t'as fait ça? Non, non, c'est juste en fait, en gros, en commentaire, un petit peu. Ouais, ah ouais, un vim amélioré, ok. Oui, regarde son vim, il a des pourcentages. Bon. Faites pas gaffe à l'heure. C'est l'heure ça? En bas à droite? 18h? Non, là, en bleu. C'est quoi ça? Non, c'est colonne ligne.
Ah, on veut ouais, bah oui. À 80e il a fait ça comme sur les trucs de piscine. Ok, du coup on a ça et on veut nous que à la fin. A égale 10 et que B égale 42. Non, je crois que ça a pas modifié. Wow. Si, ça a modifié. Il est 13. Vas-y, fais mail. Le break, faut demander au professeur. Hein. De quoi? Mais là, on va en faire un. Bah, si vous, si vous faire un break, bah, ils vont faire un break. Bah, parce que là, on a vraiment fait une heure, on a fait un. Oui, c'est ça. En gros, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier si vos valeurs ont bel et bien été interchangées. Voilà, c'est ça. Bon, du coup, voilà, l'idée, c'est qu'au début, on a A égale 42, B égale 10, et on exécute notre swap, et du coup, à la fin, notre A égale 10, Clément, notre B égale 42. Tu veux les clés? Clément, tu veux les clés pour... Si, c'est en 204. Oui, en même temps. Clément, là, c'est pour l'esprit. Tu veux les clés pour l'armoire, du coup? Bah, après. Bah, pour prendre la tablette, là. Jusqu'à 19h. T'as besoin de la tablette? J'ai besoin de la tablette. Vous avez besoin d'une tablette? Oui, parce que... Non, si on fait la caméra, il n'y a pas besoin. Parce qu'on écrit c'est comme vous voulez. Non, ah, voilà, ok, t'as les clés. Du coup, par exemple, pour tester, vous pouvez faire. On va imprimer TEF au début de votre A et votre B. Non, ça, c'est pour Studio, je crois. Non, H. Bien vu. C'est Studio. Je crois que c'est ça. Je crois c'est ça. Et du coup, là, par exemple, on peut faire. Je sais pas ce que vous voulez. Vous voulez une caméra ou pas? Print TEF. Où est la caméra? Si on fait quand même une caméra, c'est pour qu'on tape. Pour son i, enfin, pour son i. Oula, il fait n'importe quoi. Je peux descendre. C'est son Vim, ça. Bah, la caméra aussi. Tu peux descendre. Voilà, en fait, tes petits prints au début et à la fin, tu connais, et après, bah, vous checkez quoi. Voilà, chef. C'est incroyable. Voilà. Je vais rejoindre. Et voilà. Du coup, évidemment, nous, ça va rien faire, mais à la fin, vous savez que ça se... Ok. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le droit d'écrire. Non. On a le droit, mais pas pour les fonctions des cours, du cours. Attends, mais du coup, là, techniquement, ça veut dire que si je... Oui ? Vas-y, on n'a qu'à dire que... On fait une pause, et qu'après, on s'attaque à des exercices un peu plus compliqués, quand même. Non, pas compliqué, genre juste, par exemple, on peut reprendre un anal. C'est... Il n'y a pas d'anal de prof. Oui. Il n'y a pas d'anal de prof. De toute façon, il n'y a pas d'anal. C'est tous les mêmes. Ils se ressemblent. David Boucher ne fait aucun effort. On aura 18. Hey, mais toi, t'enchaînes les bourdes, toi. Hey, à chaque back to basique, elle dit le dernier sur un prof. Il fallait pas arrêter. Vous avez rien entendu, ce que vous avez dit. Rien entendu. C'est rien entendu. Il y a vraiment des anales de. Ouais. Non, mais ça, c'est normalement, c'est connu. Enfin, c'est pas moi qui. Voilà. Du coup, il y en a qui demandent où sont les annales de prog. Épinote, Epidox. Voilà, Epinote, Epidox, tu connais. Bien sûr, Epidox, les annales de prog, j'étais même pas au courant. Epidox ? Eh, j'utilise pas. Hein. Comment ça ? Il y en a deux, c'est 2016. Bon, Epinote, j'utilise pas, mais Epidox, oui. Moi, je mets les QCM. C'est toi qui les mets ? Voilà. Du coup, bah là, vu que ça n'a pas été changé, là. Hein, alors le Epidox, je suis pas sûr que c'est quelque chose comme ça. C'est pas mieux de faire pourcent D pour le printf. Pourcent D, c'est pour les floats, non? D, c'est pour les bah, c'est... floats. Tu... Non, mais c'est... Et pourquoi tu voudrais faire un pourcent D? Moi j'ai fait cours, j'étais en reste. Parce que ça marche avec tout. Ah, pour les floats. Non, pourcent D, ça fait ça marche aussi avec les floats. Pourcent F, c'est pour les bulles. Il n'y a pas de pourcent D pour faire les. Non, pas très simple, parce qu'il y avait à un moment pour faire les doubles. Ouais. Wow, bravo, bravo Avatar du Néant, bravo. Avatar du Néant, bien joué. Bah voilà. Voilà, il a réussi. Si tu veux envoyer ton, attends, je sais pas si t'as déjà envoyé, mais si t'as envie d'envoyer. Voilà, comme ça, ça fait une correction. Bah du coup, oui, tu peux montrer. Vas-y, tout le monde va t'applaudir. Avatar. Allez, il a réussi, Jason. Avatar. C'est du coup, on n'a pas. Ah, c'est Jason. C'est Jason. Mais non, Jason. Allez, Jason, montre. Après, on part en 2v2 Clash Royale. Quoi? Heureusement que le président il est plus là. Hein. Comme ça fait une petite correction pour tout le monde et puis ça vous fait participer. Ouais, quoi. C'est vrai que. Je vais y aller parce que. Au revoir. Bonne chance pour télévision. Bonne chance, chef. Vas-y. Ouais, ça révise en balle là. Ça révise. Ça révise dur. En vrai, hey, si vous voyez qu'on dit genre parfois une bourde ou quoi. N'hésitez pas à nous corriger, on n'est pas genre David Boucher, on connaît pas le C par cœur. Parce que voilà. On peut se tromper. Ouais. Et aussi, surtout, on a commencé le C
début d'année. Ouais, hein. Vraiment. Ouais, voilà. Du coup, ouais, s'il y a certains trucs qu'on maîtrise pas, bah, c'est normal. Ah, peut-être voir comment gérer les erreurs. Peut-être. À la fin, ça peut-être. Ouais. Alors, attendez. Il a tout supprimé, ça se voit. En fait. Alors, si t'es sur Vim, tu peux faire U pour. En fait, je sais ce qu'il a fait. Il a juste fait print F, tu sais, 42, 10 et 10, 42. Et après, il a fait oh les gars, ça marche. J'ai fait une fausse manip. Ah, si t'es sur Vim et que t'as tout supprimé U, enfin, genre, tu passes en mode visuel, puis après, tu fais U. Et du coup, ça va undo ton, ce que t'as fait. Voilà. J'adore Vim. En vrai, Imax, je sais pas comment faire, c'est tout. C'est ça, Imax, c'est trop compliqué. Ça fait trop de save auto bizarre. Tu peux y dégager, je crois. Ouais, mais genre à chaque parcelle, il faut que tu dégages et tout, c'est relou. En vrai, Avatar du Néant, si tu as réussi à le faire, tu peux le refaire une fois. VS Code supérieur. Ah bah, à vendredi, hein, si t'aimes bien VS Code. Guillaume, ouais, tu peux montrer aussi. Et Anis, un truc qui fonctionne. T'as fait en simple pointeur, un double pointeur. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches? Ça. Non, c'est bon. T'en as besoin? Ça, non, tranquille. Ok, chef. Mais il pouvait le prendre. Non ah, mais. Ouais, t'as fait. Oh non, c'est Sage. Ah non, il a supprimé. Ouais, du coup, ouais, c'est ça. Parce que. Avec ça, tu prends la référence A. Tu échanges les références. Ouais, mais du coup, ton A et ton. Tu parles de qui là? De Ferrand ou de Guil? Ouais, attends. Ouais. Guil 84 ou. Eh, parle-moi de Guillaume. Mais il est trop bien, Guillaume. Ah, j'avais pas vu. Mais du coup, en fait, là, si je dis pas n'importe quoi, à Nice, ça marche, hein, parce que tu modifies pas les références des références. Tu déférences pas deux fois. J'avoue que t'as pas déférencé à Nice. Genre, ça va changer la valeur pointée par A et la valeur pointée. Enfin, en fait, ce que tu vas lui filer, c'est des pointeurs de pointeurs. Donc, ça va changer ces références-là, mais du coup, ça va pas changer les valeurs de A et de B directement. En fait, il y en a aucun qui a fait comme ce que Salma avait fait. Ah oui, désolé. Non, c'est pas grave. Bah, on est là pour apprendre aussi. Après, encore une fois, les gars, c'est une petite pause, donc vous pouvez aussi aller toucher de l'herbe. voilà quoi. Les gars, demain, il y a OC, oubliez pas de réviser. C'est ça, c'est important. Mais en tout cas, les gars, merci d'être sur le live, ça fait plaisir. Ah, bah voilà, exactement. Ça qu'elle avait fait? Ouais, mais en fait, c'est exactement ça, Avatar du Néant. Oui. Est-ce que tout le monde comprend le code d'Avatar du Néant ou pas? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. En tout cas, très bon gif, Kaizila, je sais pas si tu prononces bien ton pseudo. Mais... Tu veux une madeleine? On a le droit. Bah, en dehors de la salle. Alors, on va manger une madeleine, posez vos questions et on revient. Vas-y, on fait une pause aussi. C'est ce que j'avais fait au début alors. Oui, il y a je sais plus qui avait envoyé un truc bon et puis après il avait... Je crois qu'il avait changé. Ou alors on l'a pas vu passer. En fait, c'est Elliot, il a envoyé un truc, mais en fait, son code il est pas modifié, donc c'est un menteur. Parce que Elliot, il avait pas mis double référence. Enfin, sur le premier truc que t'avais envoyé. Attends, montre ce qu'il a fait. Oui, parce que du coup, pour que tout le monde soit d'accord avec ça, vu que on a des doubles pointeurs, bah en fait, il faut mettre des doubles références. Bah non, parce qu'il regarde. Ah oui, ok, ouais, non, avec le. Il met pas étoile à chaque fois. Oui, du coup, oui, parce que en fait, tu modifies pas les valeurs, tu vas modifier les références. En fait, à partir du moment où vous avez une étoile, du coup, dans le type de votre variable, ça va être une étoile. En gros, ça veut dire que c'est pas une valeur. Enfin, techniquement, si c'est une valeur, mais en fait, ça va plutôt être la référence, du coup, vers là où ça pointe. Et en fait, on utilise ça en C pour éviter, par exemple, si on a des trop grandes valeurs, par exemple des structs, en fait, si on copie juste l'adresse mémoire, et bien l'adresse mémoire est genre beaucoup moins coûteuse qu'une structure entière. Exactement, comme ce qu'on avait fait au TP de Caloc-Maloc, il fallait les recoder. Et du coup, bah, nous, au lieu à chaque fois de récupérer, de stocker notre variable, tous les headers, on avait à chaque fois l'adresse du début du header, la taille du header, et à chaque fois on pouvait juste passer le header pour accéder à la data. Après pour ça, c'est parce que c'est des listes chaînées, du coup. Oui, en plus. Mais du coup, dans ce que tu avais fait, Elliot, c'est ça. En fait, il te manquait les doubles étoiles pour venir changer. Alors attends, je sais pas si je peux aller sur le. En fait, techniquement, c'est bon, mais dans l'essence même du truc, en fait, s'il y a d'autres valeurs qui se trouvent après. Voilà. 10 c'est et 42, et ben en fait, elles auront été en aussi fait, échangées. Voilà, c'est ça. En fait, là, en fait, il te manque les étoiles sur chaque A. Ouais. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on voulait... Bah, après, je suis désolé, mais on l'a pas très bien expliqué aussi. En fait, on voulait juste échanger les valeurs 10 et 42. Comme on vous l'a montré avant, un pointeur, si on fait pointeur plus 1, et ben
ben ça change ce qu'on a. Mais en fait, on voulait tout est, seulement changer la valeur de 17,42. En fait, pour zoomer. Comme ça. C'est bon. Du coup, toi, ce que t'avais fait, Elliot, c'est qu'en fait, tu viens changer. Bon, là, du coup, faut imaginer qu'on a exactement le même schéma, mais du coup, avec bah, du coup, notre B. Mais du coup, l'idée, c'est que t'as inversé le A et le B. Mais du coup, les valeurs équivalentes à I ici, en fait, elles sont jamais modifiées. Du coup, c'est ça que tu t'étais trompé. Encore une fois, on est là pour apprendre et c'est déjà pas mal ce que t'avais fait, tu vois. Du coup, c'est quoi la différence entre mon code et celui-là ? Ce que j'avais compris, ça renvoie pas vraiment à la même chose. Du coup, en fait, toi, ce que tu fais, Thomas, enfin, du coup, pas le patoche, c'est qu'en fait, toi, au lieu de venir modifier I, tu modifies B. En gros, ça veut dire que c'est spécial, en fait. En fait, ton truc, techniquement, est-ce que ça marcherait pas ? Parce que du coup, en fait, t'as le même schéma avec B. Genre, en dessous, on imagine qu'il y a un autre schéma. Tu vas venir échanger du coup ton A et ton B. Et du coup, quand tu vas venir différencier une fois, ça va différencier sur l'autre. Et après, tu vas redifférencier, ça va changer. Donc, est-ce que techniquement, on peut pas dire que ça marche ? Non. Ça en fait, si tu différences l'équivalent de A ici, ça marche. Mais par contre, la variable I, du coup, ta variable A et ta variable B vont pas être changées. Mais si t'avais un pointeur, enfin t'avais un pointeur de pointeur, et que tu le différenciais deux fois, ça, ça marche. En gros, ça n'aurait pas marché dans les deux sens. Donc voilà, c'est pour ça. Mais du coup, voilà, Anis, j'imagine que c'est ça ton prénom. Bah du coup, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Fallait bien différencier deux fois. Ça marche. Mais du coup, comme tu l'as très bien dit, Thomas, c'est comme un swap, sauf qu'on met deux étoiles dans notre swap. Parce que c'est des pointeurs de pointeurs. Voilà, voilà. J'espère avoir été clair. Bon. Là, je suis tout seul avec vous. Il n'y a plus Lenny. Du coup, voilà. Si vous avez des questions, que ce soit sur les pointeurs en général ou sur bah, même cet exo-là, n'hésitez pas. Je vais vous dire ce qu'on fait après. Après, on va travailler les calocs et les malocs avec des matrices. On va init des matrices et tout. J'imagine que c'est bien de retravailler aussi les calocs et les malocs. Pour aussi faire peut-être un petit rappel dessus. La rediff sera sur YouTube quand ? C'est une bonne question. Quand est-ce que sera la rediff ? Bah en fait, l'idée, c'est que là, on finit le cours. On enregistre sur l'ordi de Clément. Et après, bah, potentiellement, c'est Clément qui s'occupera de mettre la rediff. Donc, j'espère ce soir. Et sinon, Max demain soir. Quoi. De toute façon, si la rediff est semée ce week-end, bah, ça ne servira pas à grand-chose puisque le parcel, enfin le midterm, il est vendredi. Donc normalement, elle sera mise avant vendredi. Normalement, si tout se passe bien. Voilà. D'autres questions, les amis ? Il y a des trucs à retenir du TP de SDL. Alors, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, parce que vous imaginez bien qu'on n'a pas tous les détails de tous les détails du TP. Alors, attends, je réponds d'abord à Thomas et après, je te réponds, Ralph. En fait, tout ce qu'on aura au midterm de prog, ça sera tout ce qu'on avait à faire dans les fonctions des basics de chaque TP. Donc, chaque TP, on avait des dossiers basics, et David Bouchet a dit que ce serait là-dedans. Donc voilà, potentiellement, il faut réviser les fonctions de basics. Donc, normalement, Thomas, il n'y aura pas de SDL, puisque je rappelle qu'en plus, le SDL, il n'y a pas de moulinette dessus, donc il faut passer à la main. Donc ça m'étonnerait qu'il demande à tous les ASM de regarder chaque midterm et tout, et ça va plutôt passer à la moulinette. Donc, j'ai envie de dire, pas sûr qu'il y ait du SDL. Mais il demande s'il y aura du SDL. Alors,
Pour moi, il n'y a pas de SDL. Je pense pas qu'il y ait de SDL. Parce que dans tous les cas, comment tu veux le noter, moulinette de SDL, tu peux pas. Frérot, ils ont réussi à noter des espaces mémoire en C-Sharp. Ils peuvent tout faire. Non, je pense pas que ça y sera. Imagine un mid-term sans Fibo, ça c'est vrai ça. Je vrai, pense pas qu'il existe. En vrai, il y a un monde où on a Fibo avec des deux pointeurs. Ouais. Et là, du coup, ou c'est peut-être pour ça qu'on est un tribo. C'est Fibo avec trois valeurs. Oh, l'horreur. Du coup, alors. Est-ce que étoile SDL, pas égal I pas, c'est pas possible. Du coup, oui, faire alpha. Enfin, comme on l'avait montré tout à l'heure, A étoile égal I. Enfin, du coup, étoile A, mais on s'est compris. Ouais. Fibo et facto, les anciens. Ah, yes. Ah, bah ouais. Hein. Ils sont tous à tous les mid-termes. Oui, alors. Ils sont plus fidèles que n'importe qui que tu pourras rencontrer dans ta vie. En C, il vaut mieux éviter de faire du récursif. Ok, en C-Sharp, on a fait pas mal de trucs récursifs, ça fonctionnait bien. Le problème en C, c'est que très vite, on va atteindre un segfault. Du coup, il y a un segmentation default. Et du coup, en fait, c'est juste que on va, entre guillemets, overflow notre mémoire. Et du coup, on va demander trop d'espace mémoire, trop vite. C'est ça. T'essaies de faire Fibo 99 en récursif, segfault. Si tu le fais mal. Non, même si tu le fais bien, si tu le fais en récursif, c'est mal. Bah, moi, il marche en récursif. Hein. Tu vas prendre un glisseur ? Ah non, peut-être pas. Ou alors il était giga lent. Non. Parce que. Ah, moi j'avais fait en itératif. Mais on avait fait ça au séminaire. Ouais, c'est au séminaire. Les bits shift aussi c'est pas mal. Ouais. Comme j'avais dit tout à l'heure, là on va faire après des initialisations de matrices pour bosser les calocs et les malocs. Et qu'on se mette un peu d'accord sur ça. Pour rappeler la différence entre caloc, maloc et tout. Bref. C'est cool. Non, merci, t'inquiète. Là, c'est Hugo. Hugo le rigolo. Est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît ou pas sur le live? Est-ce qu'on peut voir ou pas? Ouais, je fais. Comment? Ah, c'est là. Là, ouais. En tout cas, ça fait plaisir que vous soyez tous là, les amis. Oh, il y a Axel. Mais non, il y a Skyvalent. Y a Axel, trop bien. Bah, du coup, il y a Miran, je crois qu'il est dans la classe. Ouais. Jason aussi. Oh, trop bien. Ah, c'est bien, les amis. Vous êtes Guillaume aussi, je crois. Mais non, il y a Anthony. Mais oh, non. Il y a Nazim. Nazim, mais non. Nazim Lamèche, trop bien. Il est venu me voir, c'est trop mignon. Bah il y a Anis. Bon par contre on leur a dit pause, ils sont partis Milan, ceux qui sont en présentiel. Ouais, bah en vrai. On reprend ou pas on peut, bah on peut déjà commencer à établir le truc. Moi je dis on attend 32, s'ils sont pas là on reprend. Hein, mais en vrai si on commence à établir le truc, ce qu'on va faire après. Ouais c'est vrai, comme ça on avance. Ok. Commencer les rappels cadeaux. Bonsoir. Oui. Vous êtes de retour? Ah y'a personne en fait. Vous faites la même, vous pouvez pas juger comme ça on fait la même. Ah non, c'est un recul, hein. Depuis 30 ouais. minutes. Hein. 30 minutes. Ouais, oui, je suis patient. Il y a une petite tafiole ici, il y a une petite tafiole. Langage, madame. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Alors là. Bah, évite de le dire. Mais cherche en internet. Tu sais pas ce que c'est. Non, mais cherche. Vraiment, fais attention. Ça, oh, tu viens de détruire les oreilles de tout le monde. Encore un petit peu. Ah, ASMR sur vous. Ah, mon dieu. Putain de merde, c'est quoi cette soirée? Alors. Elle a renversé ma gousse. Ah non, c'est pas moi. Elle était par terre. Mais c'est ma gousse. Du coup, comment est-ce qu'elle a été... Ah, putain. C'est ma gousse que t'as ouverte. Ah, j'espère que ça va rien casser. Hein. En vrai, heureusement... Salma, elle parle trop. Ah, ça dit que tu parles ah, trop. Hein. Nazim, les termes. Nazim, il dit les termes. On reconnaît ta voix, carrément. Oui, ça, j'ai devenu... Salma, elle a fait tomber... on va rien dire. Elle a fait tomber ma gourde que je dois aller nettoyer. Tu sais quoi? Attends, je vais ramener des mouchoirs. Oh, ça commence à mettre des réactions, il a raison, oh mon dieu. Oh, les termes, vas-y, mets aussi. J'en ai un milliard, ajoute les réactions. Ça ? Non, ajoute une réaction, ça là. Oui. Ouais, vas-y. Non, et tu cliques dessus, et ça t'ouvre toutes les emotes que j'ai. Juste. Let's go. Oui, allez. Voilà. Dis-toi que la Nazim, t'as la... Tu sais, la réaction du Giga Chad avec la musique derrière. En vrai, heureusement que Clément il a pas de problème avec son. Avec ça là. Ah. Wesh, ça y est. Let's go. Y'a quelqu'un qui m'appelle. Je réponds ou pas en live? C'est qui? Je sais pas, c'est un 0. Vas-y, je réponds. Vas-y, je réponds. Allô?
Allô? C'est ciao. Mettez un dans le chat si vous voulez qu'il réponde. Bon, j'ai répondu nul. Ok, bon du coup, on va commencer. Rappel Kalok Malok, comme ça on est good. Déjà, est-ce que tout le monde connaît, a besoin, enfin, qui a besoin d'avoir un rappel sur Kalok Malok? Malok. Ok, c'est bon. Kalok Malok. Tout le monde voit ce que c'est, tout le monde sait comment ça marche. Il suit un peu là, c'est un peu sale. Ouais, rien. En vrai, je pense elles sont pas trop nettoyées les SM. Hein. Je pense que c'est que quand quelqu'un fait tomber de l'eau que ça nettoie. Ça me dégoûte. Non, ouais, calme-moi. Sinon, je dis à Clément que tu fais tomber des choses à des mauvais endroits. Ouais, je. T'inquiète pas, j'ai trouvé un dossier. Tu rappelles ou. Ok, ça marche. Un dossier bien dur sur j'en moi. J'en ai un. Moi, j'en ai moi des dossiers sur toi, Salma. Fais attention. J'ai pas de dossier. J'en ai très gros. Bref, allez. Tu rappelles Kalok Malok. Super React. On peut React aussi. Bonjour. Bah, mais mec, t'as niqué une super React. Comment ça, j'ai. En gros, t'en as que des limités par semaine ou mois. Moi, je suis quelqu'un de cuisine, il y a pas de dossier en fait. C'est pas grave, c'est ton. Alors, Ben. Exactement. Alors. Alors, petit rappel. Je dessine une mémoire. Yes, sir. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir. Déjà, tu te remets la porte. Alors, pour les. Pour les. Ouais, c'est les à faire, j'aurais dit. Alors. On va travailler que avec des chars, je propose. Parce c'est que... plus simple pour la présentation. Ouais. Alors. Le son, c'est good ou pas? Ok. Est-ce qu'on a baissé en qualité en termes de son? Ça va. Ok, c'est bon. Alors. Alors, déjà, on prévient. Il reste une. Wesh, mais 1,10€. C'est à Kenny, hein. C'est vraiment pas les miennes. Tant que tu me payes. Je rigole, non. Du coup, alors. Petit disclaimer. En gros, là, on va travailler que avec des chars. Mais pour que ce soit juste plus simple dans la représentation. Quand on va implémenter. Enfin, on va faire un exemple de comment créer un malloc. Enfin, comment faire un malloc. On va utiliser des hints pour vous montrer la différence. Parce que ça fonctionne toujours pareil. Il faut faire, on fait pas plus 1, réellement on fait plus la taille de notre type. Ça. Du coup, bah là je commence à faire mes cases. En fait, c'est à peu près ce qu'on a vu tout à l'heure au tout début de la prog. On a vu que en fait, en fonction de si on faisait plus 1, pas plus 1, en fonction de la taille de la variable et comment est-ce qu'elle est allouée, c'est pas pareil. On peut quand même noter les talents d'artiste de Lenny. Il nous fait un. Comment ça s'appelle là? Le jeu des serpents là. Un snake? Oh, non! Le jeu des serpents avec les échelles. Wesh, mais frère, ça fait longtemps que tu n'y as pas joué. Il manque une deuxième dimension là. Tes souhaits. Thank you. Salma, elle a éternué. Mettez des à tes souhaits dans le chat. Tu es devenue une icône ou? Bah ouais. Regarde, tout le monde a dit que tu parlais trop. Non, mais regarde ton téléphone, regarde là. Tout le monde a réagi. Hein. Mais c'est qui ces humains? C'est Nazim. Je suppose qu'ils ont bien écrit mon prénom déjà. Oui. Il y a des choses bizarres dans cette chat. Ok. Ok, bon. Pas, vas-y, viens, on fait Kalok Malok là. Alors la E1. Après, il y a. Tu dis il y a la E2, mais comment ça va se taper? J'étais à deux doigts. On remet des valeurs aléatoires. Hein. 0, 1. Alors, je suis pas d'accord parce que c'est plus A3. Ouais, c'est vrai que la A3 va après la E. C'est vrai que la A3 va après la E. Merci beaucoup, Salma. Non, c'est pour cette précision. A3, voilà. Merci beaucoup. Du coup, j'en connais qui va sortir du cours. Hein. Kalok Malok. Ah non, oui. Ok. Donc, juste pour allouer de la mémoire, ça, on est tous d'accord sur ça. Wesh, il y a un gang pro E1 qui est en train de se créer. Donc, allouer de la mémoire. Donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser les Kalok et les Malok pour les tableaux, la plupart du temps. Pour pouvoir jouer avec notre mémoire, ou même dès qu'en fait on va faire des opérations dans la mémoire, on va représenter Kalok Malok. D4. Ça marche à plus à Belle. Je peux mettre. Mais 0-0, on s'en fiche. Hein. C'est pas beau. J'aime pas quand c'est. Tu peux t'arrêter là en vrai. Pour du Malok? Ok. Je sais pas, hein.
42. Ah oui, aussi peut-être un truc qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, c'est que, bah, en fait, ici dans la mémoire, plusieurs cases peuvent avoir le. Ouais, plusieurs octets peuvent avoir la même valeur. Voilà, si vous demandiez. C'est pour ça que du coup, bah, on n'est pas dans. C'est comme en archi, 1, 2, 3, voilà ça. Du coup, si on fait un malloc, bah, en vrai, à faire un appel classique de malloc, tu connais. Ok, déjà, malloc. Donc, est-ce que déjà tout le monde sait ce que fait malloc? Si là vous deviez me dire, genre, tu viens d'un endroit où il n'y a pas de programmation, un mec qui te dit, oh, c'est quoi malloc? Et du coup, il faut que je lui explique. Comment vous expliquerez ce qu'est un malloc pour être sûr que tout le monde a la même définition? Parce que, en vrai, c'est quoi la vraie différence qu'il y a entre alloc et malloc en fait, finalement? Ouais, bah du coup, oui, tu peux avoir deux fois la même valeur parce qu'elles sont pas au même endroit. Et en fait, tu regardes plutôt l'endroit par rapport à la valeur. C'est ça, exactement. Vous ferez quoi comme différence entre calloc et malloc, en fait, finalement? Parce que c'est similaire, mais c'est pas exactement pareil. En dehors du fait qu'il y en a une et prend deux arguments et pas l'autre. Calloc, ça remplit la raie avec que des zéros, je crois. Exactement. Calloc, réallou, non. Alors, qu'est-ce que t'appelles réalloué, Axel? Ça dépend. Mais du coup, je peux avoir la peine. Attends, faut juste que j'appelle quelqu'un. Y'a pas de problème. Je reviens. Du coup, si je fais mon malloc, je sais pas, on va dire, je sais pas, donc là on travaille avec des. J'ai passé ça. Donc, si je fais un malloc, et que je travaille avec. Je vais y arriver. Des quarts étoiles. Je sais pas, j'ai appelé ça A. Donc en fait, ça veut dire quoi? Oula, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Ok. Comment ça marche en fait? Ah, c'est comme ça, ok. Donc si je fais mon carré étoile égale malloc et que je mets un malloc de 5, en fait, que fait le C dans ce cas-là? En fait, il va venir prendre dans ma mémoire, trouver un endroit où il y a de la place, parce que bah peut-être que j'ai fait d'autres mallocs avant, et du coup, il va me récupérer un espace de 5 octets. Du coup, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, c'est super. Donc en fait, tout cet espace mémoire-là, il est alloué par mon malloc. Et du coup, moi, j'ai le droit de créer un array là-dedans, etc. Et du coup, bah, à chaque fois que je crée un array, il faudra que je passe par mon malloc pour venir allouer de la mémoire. Du coup, là, c'est pratique parce que j'ai alloué un 5. Alors là, on va dire la taille de la mémoire allouée. Donc, ouais, mais ça, je vais y revenir. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet argument-là, il est en octets. Donc en fait, c'est le nombre d'octets que je vais venir allouer dans mon calloc. Jusqu'à dans mon malloc, pardon. Du coup, est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Donc si je dis malloc 5, ça va venir me prendre 5 octets. Ok? Est-ce que jusque-là, ça va? J'attends juste dans le chat qu'il y en a qui répondent et ils ne me laissent pas bider. Ça marche parfait. Mais merci Salma en tout cas. Du coup, maintenant, si j'ai envie. Donc là, du coup, ça va être des quarts, on est d'accord. Donc. Je vais avoir un array, je peux avoir mon tableau, c'est super génial. Maintenant, admettons, j'ai envie d'avoir. Oula, à chaque fois je me trompe. J'ai envie d'avoir un array de int. Parce que j'ai pas envie de travailler avec des cartes, mais avec des int. Pareil, je fais un int étoile b. B égale malloc. Et là, je sais pas, je mets 2. En mettant. C'est en size tout. C'est-à-dire. Je mets 2. En fait, on est d'accord que. Donc je vais mettre ça ici, vous allez comprendre pourquoi. Je fais comme la prof d'algo, je laisse des trous comme ça, où il faut compléter. En fait, on est d'accord que quand je fais mon malloc de 2, finalement, ce qui se passe dans ma mémoire, c'est qu'il va venir me réserver 2 octets en fait. Sauf que moi je suis embêté parce que moi ce que je veux, c'est pas réserver 2 octets. Moi ce que je veux, c'est réserver la place pour 2 ints. Parce que en fait, j'ai un pointeur int étoile. Du coup, j'ai envie que bah, je puisse mettre 2 ints dans ce que je vais réserver. Donc au cas où vous aviez oublié, hop. 1 int. A chaque fois je me trompe. Comment tu fais pour te déplacer? Avec ta souris. Et genre tu cliques juste. Ah, ok. Je rappelle que la size d'un int, c'est 4. Entre parenthèses, c'est 4 octets en fait. Du coup, exactement comme je suis en train de le lire dans le chat. En fait, l'idée, c'est que si moi, je veux réserver la taille de 2 int, il faut que je multiplie par la size d'un int. Qui, du coup, est 4.
Et donc dans quel cas, bah, si je réserve deux fois la size d'un int, bah, du coup en fait ça va me réserver du coup une fois la taille d'un int, donc, qui est 4 octets, je rappelle, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. On l'a expliqué tout à l'heure. Et du coup, bah, en fait, ça va me réserver 2, du coup finalement en fait ça va aller jusque là. Si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4. Voilà. En fait, là, j'ai réservé dans mon tableau 2 int. Mais du coup, finalement, la taille réservée au total, c'est pas 2 octets, c'est bien 8 octets, parce qu'en fait, j'ai réservé la taille pour 2 int. Après, vous pouvez le hardcoder vous-même. Voilà. Ouais, et du coup, la question, c'est pourquoi est-ce que là, j'ai 5 et ça marche quand même? Parce qu'en fait, je rappelle que la size... Oula. Ah, quand tu peux mettre la gomme avec le bouton. Oui. La size of d'un quart, je rappelle que c'est égal à 1. Du coup, bah, finalement, faire x 1 ici, ça revient à la même chose. Du coup, je ne suis pas obligé de le mettre. Mmh. Exactement. Du coup, bah, dans ce cas précis, il faut faire super attention, parce que dans le malloc, on peut avoir tendance à oublier de multiplier par la size de notre int. Donc ça, c'est super important. En vrai, dans tous les cas, mettez x size of... A et B partagent les emplacements morts. Alors non, du coup, non. C'est juste que... comment dire? J'ai redessiné, mais en fait, notre malloc, Thomas, ce qu'il fait derrière, c'est que à chaque fois, il cherche un endroit qui est libre. Donc, potentiellement, là, si je fais un malloc de 5, j'ajoute des cases ici. Genre, je sais pas, je mets à 0 et 42. Bah, mon malloc de 5, il va chercher, il va voir que c'est libre, et je lui fais, ok, parfait, 5, qui met là. Donc là, j'ai mon A, et là, j'ai mon B. Le B, c'est tout le... Ouais, c'est ça. C'est pas obligé d'avoir ça. Comment on fait CTRL Z? Non, tu fais ça. En gros, attends. Comment je fais du coup pour effacer? Donc, quand, si on enchaîne deux mallocs, non, il n'y a jamais de problème. Les mallocs, c'est ça qui est bien. Et même, on l'avait vu nous-mêmes en fait quand on fait des mallocs, on l'avait hardcodé nous-mêmes. En fait, il fait tout automatiquement. Bon, voilà. En gros, ça c'est tout le truc, c'est B. Voilà, c'est ça, bien vu. C'est pas beau parce que j'étais sur les genoux d'Axel. Attends, ça pose jamais de problème. Oh, bah super. Donc, on est en train de dire que mes genoux sont pas ça. Donc voilà, ça c'est ma loc. Et du coup, en fait, on est d'accord que moi, si je travaille avec ça, bah j'ai alloué de la mémoire, mais ce qu'il y avait dans la mémoire, en fait, il est toujours là. Donc finalement, j'ai des données là dans ma mémoire. Juste dit, je vais travailler avec ça. Par exemple, j'ai envie de faire un tableau. Mon tableau, il y aura des valeurs dedans. Qui sont entre guillemets aléatoires parce que c'est pas moi qui ai décidé des valeurs qu'il y avait dedans, même si en fait c'est parce que avant moi il y a eu d'autres mallocs, d'autres données qui ont été écrites. Du coup, quand moi j'arrive dans la mémoire, bah en fait je vais juste lire ce qu'il y avait déjà. Mais du coup voilà, cette mémoire elle est déjà prise. Du coup, faites attention quand vous faites un malloc et que par exemple, je sais pas, le truc c'était de calculer je sais pas quoi, et du coup en fait vous avez tendance, enfin on a plutôt tendance à faire un plus égal avec la valeur qui se trouve dans notre tableau. Tu peux pointer en vrai à 3 par exemple. Le problème, c'est que A3, vu que ça existe déjà, bah, c'est une valeur indésirable. Je dis pas que... Enfin, si, en soi, parce que, étant donné que nous, on voulait partir de 0, oui, pour faire des plus égales, pour à chaque fois incrémenter de je ne sais combien. Si genre on fait un tableau qui compte de 1 à 10, par exemple. Ouais, par exemple, ouais, qui compte de 1 à 10. Ça va finir la phrase, la chef. Non, en fait... non, bah non, parce qu'il compte de 1 à 10, t'as juste à faire la valeur de i. C'est juste à mettre. Ouais, mais si tu veux faire un truc où okay, un tableau imaginons... augmente, ouais, un tableau non, parce que toi, quelqu'un t'as déjà ton tableau. Il y a des cas où ça marche pas, et du coup faut pas oublier que notre malloc il laisse les valeurs qui sont déjà dans la mémoire, et du coup c'est là qu'on peut faire la super transition sur le calloc. Ça marche, hein. Je pensais, ouais, même pas qu'on pouvait changer, mais du coup c'est galère pour se déplacer sur le calloc. Moi je peux écrire là si tu veux. Vas-y, tu veux te mettre devant? Comme tu veux. Que tu peux faire. Ah, tu peux peut-être mettre là. C'est bien ça. Du coup, je redessine un espace de mémoire. Ah, tu peux te faire aussi, juste tu mets ton instruction calloc au pire. Ok. Du coup, calloc. Ça prend qu'un seul argument. Deux. Ça ah prend, oui, vas-y. Contrairement au malloc. C'est le size T. Et là, c'est. Attends, c'est quel type déjà? Là, c'est le nombre d'octets que tu veux allouer. Dans size T aussi. Attention, c'est des size T. Du coup, en gros, c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, imaginons que vous avez envie d'allouer deux fois un size of int moins 1. Faites gaffe à ce que cette valeur ne soit pas inférieure à 0, auquel cas, ça vaudra le maximum de size T. Ce sera un petit peu trop gros.
Ouais, du coup, c'est un peu embêtant. Ouais. Ouais, du coup, faites gaffe, c'est important le fait que ce soit des size T. Et on notamment aussi, que... ça permet juste. Mais du coup, en Kaloc aussi, tu utilises des size T. Non, je veux dire dans les deux. Oui, dans les deux. En fait, ça permet juste de pas allouer des mémoires négatives. C'est ça, voilà. Même s'ils auraient pu faire des insights. Du coup, si vous avez bien suivi ce qu'on a dit par rapport à avant, le Kaloc, en fait, ce qu'il fait, voilà, comme l'a dit Gil, c'est qu'en fait, ça va juste remplir tout notre arrêt de zéro, et ce qui, du coup, nous permet de travailler dans de meilleures conditions. Et bon saumon, en tout cas, Thomas. Donc, voilà. Donc, c'est pratique quand on veut... Il y a des cas de figure. Par exemple, on a un tableau et qu'on a envie de l'initialiser. Je sais pas, moi. Et du coup, on veut faire une matrice, justement, c'est l'exercice qu'on va faire. Du coup, c'est bien d'utiliser Kaloc, parce que des fois, c'est pratique, on a besoin d'initialiser tout à zéro. Ouais. Voilà. Du coup, premier argument, c'est le nombre d'octets qu'on veut allouer. Enfin, c'est le nombre d'éléments qu'on veut allouer. Et le deuxième, c'est la size de l'élément qu'on veut allouer. En fait, c'est exactement pareil que le malloc, sauf qu'au lieu de venir multiplier, en fait, on met juste un deuxième argument. Et ça, c'est la size. C'est ça. Et concrètement, on va pas tout réexpliquer, mais finalement, si on revient sur le schéma du dessus, là... Oui. Sur un chemin du sup, en fait, c'est juste que toutes les valeurs là vont être mises à zéro là. Voilà. Tout ça zéro. Assez clair pour ça. Si on avait fait Kaloc sur pour B. Ouais, si on avait mis Kaloc par exemple là. Pas pour B, ouais, exactement. J'ai rien dit en fait. Tu as tout dit ce que j'avais à dire. C'est clair pour tout le monde? Ou il y a des questions même ceux qui sont dans la salle hein. Directe ouais. Pour qu'on puisse en fait yes attends juste il y en a un qui pose sa question et après je vois qu'il est en train de décrire c'est ouais est-ce qu'on peut avoir des goats pour ces deux goats je pensais que c'était une vraie question ok du coup on va passer maintenant à la pratique donc on va pas avoir le temps de faire tout ce qu'on voulait faire mais au moins on va utiliser malloc pour faire une initialisation de matrice ouais. Et ensuite on va utiliser Kaloc pour faire une matrice, mais qui a des nombres sur les côtés. Donc, peut-être tu fais un schéma ici, pour expliquer ce qu'on veut, après les gens se débrouillent. Soit on supprime, soit... On fait en dessous. Wesh. Voilà. Vas-y, chef. Ok, alors... Sur matrix, tu connais. Elle renvoie à Void. Ouais, une Void. Ça alloue, mais bon. Non, ça renvoie le pointeur sur la matrice, peut-être. Ah, j'avoue. Une matrice de int, on va pas se souvenir. C'est pareil avec des chars. Int, étoile. Init, matrix. Init. Matrix. Matrix. Et du coup, elle prend. Oui, non. La dimension. Ah ouais, la dimension. Une seule. C'est une matrice carré. Ok, vas-y, carré, ça me va. Matrice carré de côté A. Hop. Vous avez expliqué Realloc. Vous voulez qu'on réexplique Realloc, les amis, ou pas? Ouais. On va peut-être réexpliquer Realloc. C'est pas bête, ça, Thomas. Ouais. Il n'y a pas de array dans la matrice. Non, init matrice, c'est genre tu vas créer toi-même, tu veux créer la matrice. Ok. Donc, on va peut-être expliquer Realloc avant. Du coup, on a peut-être bien fait de pas expliquer le. De pas effacer le schéma. On explique sur A, peut-être, non? On efface A, je pense. Tu sais, parce que sinon... On efface B, sinon. Ouais. Pour montrer que ça va pas que dans un seul sens. Alors, en gros, tu peux aller à gauche. Ah ! Oh là là, je suis trop nul. Moi, la technologie, imagine, j'étais dans une école d'ingénieur. Imagine, dingue. En vrai, c'est bon. Du coup, là, on a notre malloc pour des chars. Combien de chars pour 5? Du coup, là, c'était A, c'était pas des chars, c'était des ints, on avait dit que c'était... Non, c'était des chars, A. Oui, pardon, A, c'était des chars, my bad. Non, déjà, t'en as 5. Non, j'avais zappé. Et du coup, alors, on s'est rendu compte, bizarrement... Peut-être mets des valeurs là-dedans, parce qu'en fait, le Realloc, il copie des valeurs. Genre, en mode comment tu... Genre, on met 0, 1, 2, 3, quoi. Comme ça, on comprend qu'on avait fait des trucs dans la matrice. Genre, dans les nombres. Parce que le Realloc, il va dire copier des valeurs. C'est comme si genre on avait fait des traitements avant et que ça nous embête. Zéro.
Ok. On fait juste un truc rapide pour être peut-être un peu plus clair. Imaginons que là, on ait envie de... Bah, en fait, on s'est rendu compte qu'une taille 5, c'est pas assez grand. Ce qui est assez relou, mais ce qui peut arriver. Parce que, bah, je sais pas, on s'est rendu compte au dernier moment... Ou alors, ça se trouve, à la base, on devait pas en avoir... on devait pas avoir besoin de plus de 5 octets. Puis au final, on se rend compte que bah, si on en a besoin de plus, parce qu'on a envie de... je sais pas, par exemple, vu que c'est des chars, on peut dire que bah, notre mot, il est plus grand. Enfin, notre chaîne de caractères est plus grande. Même on a envie d'ajouter un élément à une liste qu'on ouais, avait alloué correctement. Ah voilà, on a envie de append quelque chose. Et bah du coup, le fait d'avoir... 0, 1, 2, 3, 4... Et bah ici... Ça va nous poser un problème, parce que bon, on peut pas l'augmenter, on peut pas accéder à quelque chose où on a pas accès. On a déjà alloué, genre le... On a déjà alloué, alloué c'est... Ah ouais. Du coup, en gros, on... ça veut dire qu'on ne peut pas... Enfin, dans la mémoire, on ne peut pas dépasser ça. Et ça fait quoi comme type d'erreur quand tu essaies de dépasser Ça fait un segfault. Juste un segfault, ou alors peut-être à le F-Sanitizer Ça fait Sanitizer aussi, ouais. En parce gros, vous aurez une erreur avec plein de valeurs en ça rouge. Ça vous donne la mémoire, en fait, ouais, voilà. En gros, c'est l'erreur, tu sais que t'as fait une erreur quand il te la sort. Ouais, c'est ça. C'est une erreur assez graphique en vrai. Il explique assez bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Realloc. Est-ce qu'on met le truc de Realloc? Ouais. Du coup, en vrai, le Realloc, il y a deux cas possibles. Qui Realloc, sont c'est quoi déjà? Hyper intéressant. C'est la nouvelle size, non? C'est le pointeur de l'ancienne size. C'est le pointeur vers ton ancien espace mémoire. Et la nouvelle size que tu veux, je crois. Et du ouais. coup, il y a deux cas possibles avec le Realloc. Donc le Realloc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir augmenter la taille de la mémoire qu'on a déjà allouée. Donc là, par exemple, on a notre A. Imagine, tu veux rajouter une case là. Vas-y. Du coup, hop. Voilà. Donc là, en fait, on se dit, ah mince, on voulait un sixième élément. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah du coup, ce que va faire le Realloc, c'est qu'il va se dire, ok, il y a de la place à droite. Du coup, bah tranquille, je vais venir augmenter tout simplement mon A. Donc hop. J'augmente le A et il vient se mettre à la suite. Hop, je l'ai augmenté de 1 du coup. Et du coup, ça fonctionne. Et du coup, bah, le pointeur initial qui pointait sur l'espace mémoire de A, il n'a pas changé. Parce qu'on rappelle que le pointeur, finalement, il pointe toujours ici. Est-ce que jusque-là, ça va ou pas? Pour tous ceux qui sont sur le chat. Ah, c'est void avec la size. Ouais, c'est ça. Oui, ok. Maintenant, donc là, c'est quoi? C'est le pointeur et la size, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, là, c'est du coup le malloc. Mais du coup, en gros, là, par exemple, on a mis A. Ouais, A qui était en gros le pointeur qui pointe sur la mémoire ouais. qu'on avait initialement. Ah, du coup, c'est un void étoile. C'est ça, parce que ça peut être un int, un char, bref. Sauf que, admettons maintenant que on a un problème, c'est que... Ah merde, du coup... Merde, c'est chiant. Si je veux supprimer le truc rouge. Et genre, fais B qui est là. Donc A comme tout à l'heure. Et admettons que dans notre programme on a fait plein d'allocations de mémoire et tout, et que bah en fait on se rend compte que juste après A il y a C, et du coup on peut pas augmenter notre A. Du coup c'est relou et c'est super, on sait pas comment faire parce que bah C il bloque. Du coup ce que va faire le realloc, c'est que il va se dire ok, j'ai pas la place d'augmenter à droite, du coup je vais supprimer mon espace mémoire et je vais venir aller en chercher un autre part, ou là où il y a de la place. Du coup, bah, potentiellement, ouais. Hop. Et il remet pas à zéro, hein. Il laisse ça comme ça. Voilà. Et du coup, je te déplace. Vas-y. Et du coup, je me rends compte que là, ici, il y a de la place. Et du coup, pour je peux aller même pour 5 voir. Bah, du coup, on avait déjà 5, mais du coup, pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Vas-y. Ouais, du coup, là, on met A. Et du coup, vu que le Realloc il est super sympa avec nous, et bah en plus de déplacer notre mémoire, il va venir recopier toutes les valeurs qu'on avait avant, dans notre qu'on avait alloué en fait. Donc les autres, voilà, les autres valeurs, les anciennes valeurs, oups, elles sont écrasées. Du coup, oui, du coup, là, on avait le B, je sais pas quoi, etc. Du coup, ça devient 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Et du coup, bah, celle-là, ça pourrait être n'importe quoi. Elle aurait pas été mise à zéro. Elle aurait juste gardé sa valeur. Et du coup, c'est pas un super exemple d'avoir mis là. Mais du coup, voilà. En effet, comme l'a dit Kenny, cette valeur-là, elle change pas. C'est pour ça que bah, je l'ai pas modifiée.
Et du coup, c'est pour ça, en fait, on comprend que pourquoi quand on fait des malloc, bah, la valeur, elle n'est pas tout le temps écrasée, parce que des fois, il n'y a pas besoin. Et dans ce cas précis, bah, potentiellement, on a une nouvelle valeur qui est allouée. Et du coup, on va pouvoir s'amuser à venir ajouter des éléments et à faire d'autres réallocs. Et dans ce cas de figure là précis, si on fait plusieurs réallocs les uns à la suite des autres, bah, on peut voir que le A peut augmenter vers la droite sans être bloqué. Du coup, il faut bien se rendre compte, en fait, que quand on fait un réalloc, finalement, la complexité peut être dégueulasse. Parce que si on a 1 million d'éléments, potentiellement, il faut que notre programme ils viennent réécrire 1 million d'éléments parce qu'on a demandé des réallocs. Pour ça qu'on évite, s'il vous plaît, de faire des réallocs dans chaque exécution de boucle quand on veut genre ajouter des éléments à une liste. Même, c'est très rare qu'ils nous demandent un réalloc, ils vont le demander, genre... C'est soit c'est explicite quand ils vont nous le demander, mais normalement, ils vont nous demander de faire une allocation mémoire déjà quasi parfaite. C'est ça. Et du coup, bah, par exemple, si on veut faire un... Je dis n'importe quoi, mais un système qui... chope tous les mots de notre d'une phrase séparée par les espaces, bah du coup on évite de faire des réallocs à chaque fois pour faire augmenter la taille du mot, parce que comme vous venez de le comprendre, le réalloc il peut à la fois très bien juste augmenter de 1 la taille ou carrément venir tout recopier. Donc si votre mot il fait 26 caractères, il faut qu'il parcourt toute la mémoire, recherche un endroit où se poser et ensuite recopier les 26 caractères, ce qui est pas du tout optimisé et bah à la longue ça fait beaucoup de comparaisons quoi, pour pas grand chose finalement. Moi, je propose qu'on passe à l'exo. Ouais, parce qu'il est 19h. Il est 19h. On va pas passer 30 ans, du coup, sur l'exo. Mais voilà. Du coup, en gros, qu'est-ce qu'on voulait faire? Du coup, des places. On revient sur le init matrice. Donc, en fait, c'est juste faire init matrice. Il est où? Il est là. Je l'ai retrouvé. J'avais perdu mon init matrice. Donc ça, c'est un bug. C'est mal fait. C'est le pointeur qui va pointer vers, du coup, notre matrice. Voilà. Non, parce que ça renvoie le pointeur sur notre matrice. Vu que c'est une matrice de int. C'est ça. Du coup, ce que vous allez faire, c'est init matrice qui va allouer une mémoire de telle sorte qu'on ait une matrice carré de taille A dans notre mémoire. Donc, en fait, du coup, c'est un pointeur de pointeur. Parce que ça renvoie un truc à deux. Ah, on le fait pas linéairement ? Ok. Ah bah, on n'est pas encore là. Ok, du coup, en fait, le fait d'avoir un double pointeur, ça permet aussi de... bah du coup de faire un tableau à deux dimensions. Voilà. C'est tout. En fait, on peut avoir le pointeur de pointeur peut nous permettre de pointer sur une liste de pointeurs qui vont pointer sur une liste. En gros, juste un pointeur, enfin un seul pointeur, merci Dove. Et ça peut être comment dire, ça peut être du coup vu comme une liste, enfin une array. C'est ça. En soi. J'ai fini mon truc. Oui, voilà. Ok. Du coup, on vous laisse faire ça. Donc, est-ce qu'on initialise la matrice avec des zéros ou pas? Bah, du coup, là, juste ça initie la matrice. Du coup, en fait, non, juste c'est allouer la mémoire, je trouve. Je pense. Ok. Bah, du coup. Ou après, on peut mettre. Comme tu veux. Okay. On va... Bah, techniquement, c'est pareil. C'est comme si tu c'est malloc. On va faire un malloc alors. Bah, voilà. Vous initialisez l'espace mémoire pour la matrice. Taille A, et on s'en fiche des éléments qu'il y a dedans, donc pas besoin de faire des calocs, quoi, en résumé. Oui, oui, d'ailleurs, faites pas en vrai, non, je sais pas si c'est pénalisant de faire un caloc à la place d'un malloc. Bah, ça fait de la complexité en plus. J'avoue. Parce que finalement, t'as une boucle derrière qui vient en mettre tout à zéro en cachet. Ouais, du coup, en vrai, s'ils nous demandent pas, ou alors que dans l'exercice, vous trouvez pas ça pertinent d'avoir un caloc, le mettez pas. Voilà. Parce qu'on sait jamais, peut-être que le test va être trop grand, et du coup, ça va vous prendre une plombe, et on n'a que 3 heures d'examen. C'est ça. Du coup, le malloc, ça se fait simple, rapidement. Par exemple, si on veut initialiser un espace mémoire pour une chaîne de caractères, je sais qu'il y en a plein qui font un caloc, et ensuite ils écrivent leur chaîne de caractères. Du coup, à la fin, ils sont pas obligés d'avoir le caractère vide. Du coup, ils disent que c'est plus opti parce qu'ils ont optimisé un truc. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a fait un malloc, on a tout rempli avec des zéros, donc on a parcouru en fait deux fois notre mémoire, et ensuite on va reparcourir pour venir écraser dedans. Du coup, finalement, ce que le malloc fait en deux itérations, bah, le caloc il le fait en trois, et du coup c'est vraiment beaucoup moins opti. Du coup voilà, j'espère que c'est clair pour tous, et que vraiment quand c'est pas pertinent, on fait pas de caloc. Et du coup, bah, quand vous avez fini init matrix, vous pouvez bien évidemment l'envoyer dans le channel comme tout à l'heure. Yes. Yes. Si on veut initialiser et déjà allouer notre mémoire, on pourrait aussi utiliser un pointeur de pointeur. Si tu
Tu veux initialiser ta mémoire, c'est-à-dire. Je reviens. Oui, à la fin, on renvoie un pointeur de pointeur, ouais. C'est ça, ouais. En fait, regarde Salma. Sur le schéma là. Oh merde, j'étais pas sur la tablette graphique. C'est genre. Là, on a notre. Je vais appeler ça A étoile. Là, c'est notre pointeur de pointeur. Qui pointe sur une liste. Qui pointe sur des éléments. Du coup, oui. Si on admet que par exemple la size elle est infinie. Du coup, en fait. Ça, c'est de taille A. Enfin, la A qui est là. Et ça, c'est de taille A. Du coup, il faut d'abord initialiser un élément ici, là, qui va être notre liste de pointeurs. Donc, du coup, c'est de type pointeur de pointeur. Et ensuite, notre pointeur, on va venir initialiser avec un calloc. Et à chaque fois, on va venir mettre l'adresse qu'on a récupérée du malloc dans notre liste. Assez important quand même, enfin, du coup, si vous y pensez pas, c'est toujours initialiser l'axe Y. Du coup, c'est ça. La liste complète, la liste qui va compléter. C'est ça. Et puis après, on réalloue chaque petit truc. C'est ça. Et aussi, du coup, ce qu'il faut faire gaffe aussi, du coup, c'est qu'on est d'accord que tout ça, en fait, ça va être des mallocs derrière, en fait. C'est des mallocs qui vont venir allouer notre mémoire. Mais du coup, si ça, c'est i, bah ça veut pas dire que là, si je fais ça, c'est différent de i plus a. Parce que potentiellement, notre malloc, en fait, ils sont pas du tout au même endroit dans la mémoire. Ils sont pas les uns à la suite des autres. Parce que si on a plusieurs applications qui écrivent dans la mémoire en même temps, le malloc, lui, il va pas forcément mettre tous les mallocs les uns à la suite des autres. Mais peut-être qu'ils seront dispersés dans la mémoire. Et du coup, c'est notre liste principale de A étoile qui va venir récupérer toutes les adresses des différentes mémoires qu'on a récupérées. Sauf que malloc, c'est juste un paramètre. Ouais. Sauf que là, du coup, c'est des ints. Donc on multiplie par la size d'un int. Mais malloc aussi, ça te renvoie un pointeur void, enfin un pointeur de void. Oui. Et du coup, ça veut juste un void, ça veut dire que bah tu sais pas quel type tu vas avoir au final. Ça pourrait être un char, un int, un float, un double, short, long. Ouais, après, on va surtout travailler des int et des char, je pense. Vraiment. Et des unsigned int à la limite, des size t quoi. Ah oui, aussi quand votre valeur de retour c'est un unsigned int par exemple, ne mettez pas un int. Genre, ok, peut-être que ça fonctionne, mais. Ouais, les castes en général, ils sont dangereux. De toute façon, on avait vu que la moulinette l'année dernière. Ouais. Des castes à tout va, même si ça vous simplifie la vie, c'est bof, parce que potentiellement, en fait, ouais. Ça écrase des valeurs, vous faites pas attention. Essayez d'avoir les bonnes valeurs. Par exemple, si vous savez que vous allez pas aller jusqu'à la valeur maximale d'un int, vous pouvez faire un int. Par contre, si vous savez que vous allez la dépasser, utilisez soit un. Size T ou un unsigned int. Soit un size T, soit un unsigned int, soit un long. Enfin, ouais. C'est ça. Mais du coup, c'est clair ou pas? Pourquoi est-ce que c'est pas parce que la première mémoire est pointe sur i que ça c'est pas i plus 1 ici là? Yes. Il faut faire une fonction qui initialise une liste de listes dans la mémoire. Mais pourquoi on utilise le malloc? Pourquoi on utilise quoi? Bah parce qu'en fait, il faut que t'alloues ta une liste. En gros, tu vois, c'est comme si tu crées une nouvelle variable. Tu crées une liste de listes en fait, ouais. Et on s'en fiche qu'il y ait des zéros dedans. C'est ta question, pourquoi on met pas des zéros dedans? Non, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise malloc? Ouais. Bah en fait, parce que utiliser malloc, c'est en gros, tu sais que cette mémoire va être réservée pour ton. Pour notre matrice. Mm-hmm. Et du coup, après avoir créé ta matrice, du coup, qui va être une simple liste, et en fait, ta simple liste, elle va récupérer, elle va avoir à l'intérieur des références vers les sous-listes. Du coup, c'est pour ça que tu as besoin d'un malloc. Parce qu'en fait, si tu fais juste avec un pointeur de int, ou avec un double pointeur de int, et ben en fait, tu sais pas ce que tu vas avoir au final. Tu sais pas si tu vas avoir une référence, ou alors ça pourrait être modifié. Question ? Ah, yes. Le A, il sert à quoi ? Oui, le A, en gros, c'est la taille de ta matrice. Du coup, en gros, il va falloir que tu fasses une boucle qui va de 0 jusqu'à 1. En gros, ta matrice, c'est A genre. Exclu, du coup. Ça, imagine, tu vois, c'est des maths. Bah, genre là, tu as ta matrice. Oui, tu peux mettre la fonction dans le chat, hein, toujours. Là, c'est A, et là, c'est A. C'est matrice carrée. En fait, la question, c'est peut-être pourquoi est-ce qu'on utilise malloc et pas directement la notation double liste de C.
C'est ça sa question. Parce qu'en fait, si tu fais une matrice avec C, tu pourras pas faire des réallocs dessus, donc en fait ta matrice elle est figée dans le temps. C'est avec le C, tu mets genre entre crochet 3, entre crochet 3, bah ce sera tout le temps une matrice de taille 3. Si dans le futur tu veux rajouter un nouvel élément, bah du coup t'as pas fait avec malloc, donc je crois que c'est bloqué, tu peux pas. Alors il vaut mieux directement passer par malloc dès le début. Parce que tu travailles pas avec des pointeurs sinon, même si c'est équivalent, c'est pas des pointeurs que t'as. Du coup en fait la plupart du temps, dès que t'as des listes de listes, tu passes toujours par des pointeurs et par des malloc et des cadres. Ce qui est beaucoup plus modulable en fait. Ah, fonctionnement de chat alors. Hit matrice, ça y est. Ah. Int array malloc. T'as testé ou pas Ralph ta fonction? Parce que du coup, j'imagine qu'à la fin tu return array parce que enfin du coup tu return pas array. Mais en fait, faut faire gaffe parce que array, il faut que ce soit de type étoile étoile du coup, parce que tu renvoies il faut que tu renvoies une liste de listes, du coup ce sera un int étoile étoile. Ton array c'est pas un étoile simple. C'est ça. On a le droit d'utiliser la syntaxe array ou pas pour les pointeurs? Comment ça? Oui, je pense qu'on aura le droit, sinon ce sera précisé dans le sujet. Hein. Ouais, bah du coup, sachez faire. Du coup, Ralph, ce que tu as fait, c'est. Bah, là juste, fais attention à quand même savoir convertir ta syntaxe array, du coup, de faire array crochet i. Peut-être le mettre là. Ouais, bah on va l'écrire. Tu veux le faire? Je regarde comme ça ce qu'il a fait Gil. Matrice int étoile étoile de malloc size of int étoile fois a for size i inférieur à a i plus plus matrice i égale. C'est exactement ça. Et du coup ce qui est très bien Gil, c'est que justement tu fais un size of de int étoile et pas size of de int. Et ça c'est très important d'y penser. Enfin dans le premier malloc. Du coup c'est bien. T'as bien fait. Ouais chef. Juste, genre quand tu fais malloc sur le pointeur de pointeur au début, il faut que je fasse genre int étoile étoile de malloc, non? En fait, pas comment expliquer ça. En fait, ton malloc, il te renvoie une adresse. Ton int étoile étoile, c'est une adresse en fait. Donc en fait, techniquement, t'es pas obligé de le cast, mais si ça te rassure, tu peux le cast. D'accord avec ça? Yes, c'est ça, c'est ça. C'est la même chose. Parce que du coup, ça va prendre la valeur qui se trouve dans ton array à la truc plus i. C'est ça. Et du coup, Gil, ce que ça fait, c'est bien. Et du coup, comme je le disais, c'est bien que dans le premier malloc, tu fasses un size of int étoile, parce que faut pas confondre. Non, c'est pas genre ça, j'enlève l'autre. Parce que, en fait, attends, peut-être que... Si, c'était bon ce que t'avais fait avant. En fait, parce que là, ça te renvoie vers ta référence. Une array, genre, tu sais, c'est le double int. Ouais, sauf que... Ça dépend. Ça, c'est dans le cas où c'est une liste à une dimension. Parce qu'en fait, comment t'expliquer ça? Je suis pas dans la souris. Faut faire gaffe parce que la size of d'un quart étoile, elle est différente de size of de quart. Pourquoi? Parce que quart, on avait dit que sa size c'est sur un octet. Ça c'est size of de quart. Mais size of de quart étoile, c'est exactement comme ce qu'on voit en fait c'est comme ce que j'expliquais Avatar du Néant à je sais pas qui dans la salle, parce que je connais pas son prénom. C'est quoi ton prénom? Wilfried. Bah du coup, t'es pas obligé de cast, mais tu peux cast pour être sûr à 100% que ça marche. Mais, parce qu'une adresse, une adresse c'est sur un octet. Faire attention à ce que vos castes soient sur un octet. De quoi? Une adresse est toujours sur un octet. Du coup, attends, mon exemple marche pas. Je vais juste changer ça en int étoile. Le problème, c'est que pourquoi en fait, quand il va être celui de contrôle, ce qu'il a fait ici, le build, la personne build, pourquoi en fait il refait un malloc dans le temps? C'est pas suffisant, mais juste aller une création. Justement, je vais l'expliquer. En gros, est-ce qu'on est d'accord que déjà la size d'un int c'est 4 octets et la size d'un int étoile c'est 1 octet? Parce que un int étoile c'est une adresse. Et une adresse, du coup, ça peut. Une adresse, c'est toujours sur un octet, non? C'est sur
Un octet ou c'est plus? En archi, je sais plus, je crois que c'est sur 1, mais ça dépend. Tu peux te checker c'est quoi la size d'un une étoile? Je sais plus si c'est 4 octets ou 1 octet. Ça se trouve, Do vient de te l'envoyer. Non, il m'a juste dit viens me chercher au lab. Ok. Je crois que c'est 4 octets, je suis pas sûr. Mais en tous les cas, la size d'un int étoile et d'un int, c'est. Enfin, d'un quart étoile et d'un quart, je sais plus si c'est dans quel sens. Donc du coup, c'est 4 octets alors. Et du coup, d'un quart étoile, c'est combien? C'est 4 aussi? Pour être sûr de ce que je raconte. Je crois que c'est 4 octets ici. Hein. Du coup, dans quel cas. Il y a moyen d'avoir une doc. Ah, c'était bien carré ici qu'il fallait mettre. Je vais y arriver, dans mon exemple. Du coup, en fait, Salma, non, j'ai... Bah, c'est vraiment le truc de... Enfin, le... bizarre. En fait, j'ai mon... Il dit c'est que j'ai ma matrice, ok? De taille A. Et du coup, bah ça, je vais faire A fois. Donc... A, ça va continuer. Donc tout ça, ça va être de taille A. T'es d'accord avec moi? Donc en fait, ça c'est toutes mes listes. Ok? Donc ça c'est l'horizontale et ça c'est la verticale. Le truc c'est que tous mes mallocs que je vais faire dans ma mémoire, ils sont pas forcément côte à côte dans la mémoire. Comme on a vu, il peut mettre n'importe où en fonction de là où il y a de la place. Et du coup, en fait, il me faut une liste qui me donne la référence de chacun des différents mallocs que j'ai créé, un par un. Donc le premier malloc, en fait, il permet d'initialiser la hauteur, la grande liste qui va contenir les pointeurs, les pointeurs. Il contient pas les sublistes, il contient les pointeurs des sublistes. Juste les pointeurs. C'est ça. Parce que du coup, le malloc te renvoie le pointeur vers une liste. C'est un pointeur de pointeur. De quoi? C'est un pointeur de pointeur. Oui, du coup, oui. Ça marche pas son code, Gil. Le int étoile dans le malloc est faux. Pour moi, c'est juste dit. Bah après, dans tous les cas, ça, je suis quasiment sûr que vu que là, tu initialises une liste de... Ah merde, c'est pas le point. Je suis quasiment sûr de ce que dans ce qu'il a fait. Oula, comment je fais pour si je veux descendre? On peut pas, faut que je scrolle tout à la main. Non, tu fais comme ça. Okay. Dans ce qu'a fait... Dans ce qu'a fait Gil, en tout cas... vu que là, en fait, finalement, c'est... Toujours 8, en fait. De quoi? Le c'est pointer, ouais, du coup, bah, c'est... C'est toujours 8. Ouais. Donc c'est 8, 8 bits ou 8 octets? De quoi? Je regarde, attends. Parce que, en fait, finalement, c'est... 8 octets. Size of int étoile ne veut pas. Genre, ça fait quoi comme erreur avatar du néant? Ça me paraît bizarre. C'est Jason. Ah, parce qu'il attendait... Et si tu mets ton... Étoile bah, après le int. Ouais, parce que du coup, l'étoile en fait, avant, ça n'existe pas. Parce qu'en c'est fait, pour différencier. Ouais, ça fonctionne que sur des variables. Or là, c'est ton type. Et en fait, c'est le type, int pointer. Parce qu'en fait, tu vois ce que tu as fait, par exemple, ton int étoile étoile B, comme tu as écrit au début de ta ligne. En fait, le étoile étoile, il s'attribue au int, parce qu'il sait qu'il y a un int avant. Mais en fait, quand tu parles du type, normalement, les étoiles, c'est toujours après le type. En pointer, c'est 8 octets, du coup. Tout le temps 8 octets. Bah, regarde... ok, du coup, je vais corriger ce que j'avais mis là. Regarde, dans son truc là. 8 octets toujours. C'est bien ce que je me disais, c'était un truc fixé. Ouais. Bah, du coup, c'est pour ça que tu dois d'abord faire des int. Donc. Carré étoile, et là, du coup, c'est un octet. Donc, on voit bien que c'est différent. Du coup, on comprend bien que quand on fait le malloc, mettre size of de carré étoile, c'est pas du tout pareil que de mettre size of de carré. Parce qu'en fait, notre première liste, donc cette grande liste là, en fait. Elle va contenir la liste de tous nos pointeurs. Et en fait, ça, c'est des carrés étoiles. Donc, du coup, dans notre exemple, c'est des ints, mais. Voilà. Du coup, ça, c'est des carrés étoiles, et ainsi de suite. Ça, c'est clair pour tout le monde ou pas? Ouais. Okay. Par contre, pourquoi. Ok. Si t'as une question, vas-y, on est là pour ça. Non, parce que, à la fin, en fait, je pensais que pointeur qui pointe là en fait, genre sur le début de la liste. À la fin, on veut retourner le pointeur. Genre à étoile. On va pointer sur la grande liste. Oui. Du coup, c'est la et première variable. On ne déréférence pas pour faire pointer dessus. En fait, on ne fait pas. En gros, Salma,
on crée une grande liste qui va contenir l'adresse de toutes nos sublistes, les adresses de toutes nos sublistes. Et donc cette grande liste, on renvoie son adresse. C'est tout. Et du coup, vu que c'est une liste de pointeurs, et bah, notre liste principale, ça va être une liste de pointeurs. Et du coup, c'est étoile étoile, c'est int étoile étoile. C'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, finalement, nous, ce qu'on obtient à la fin, si on fait le chemin, on obtient le pointeur qui pointe sur la liste, qui pointe sur le pointeur de A. Donc si en fait tu veux la première valeur, donc genre là, admettons c'est 4, bah du coup tu fais A étoile, ça va te donner l'adresse de la liste, donc ici. Que ça, c'est pas une valeur, ça c'est le pointeur de la liste, enfin de la subliste. Du coup, si tu récupères la première valeur, tu fais A étoile, étoile, et du coup ça va te différencier et te donner la valeur vers 4. Ah, vous là. Non, j'en ai pas fait, mais. Non, en fait, oui, mais c'est bien de le faire. L'année prochaine, on n'a pas, le droit à skip. De faire quoi? Des castes explicites. Du coup, en fait, si vous avez un doute sur, sur le type que vous allez avoir, n'hésitez pas à le faire. Mais si vous savez très bien que ça va être bah, du coup, un int pointeur-pointeur, bah, vous n'avez pas besoin de cast en soi. Bah, du coup, les étoiles toujours à droite, sauf quand tu veux différencier, du coup. En fait, les étoiles sont toujours à droite parce qu'en fait, c'est le type. Le type. Parce que tout à l'heure, on m'a clairement dit qu'il fallait mettre les étoiles à gauche. Non, mais regarde. Donc, si en tu fait... veux différencier une variable. Non, mais. Oui, mais en fait, c'est parce que. Ouais, mais du coup, le type, tu le mets à droite. Oui, parce que ça, c'est le type. Ça, c'est un type. Ah, ouais. Oui, ok. Faut pas confondre, les amis. En gros, ça, c'est ton type. Hop, hop, hop. Ah, ça, c'est un déréférencement. Du coup, reviens sur ça parce que en fait, je pense que c'est ça qui a dû le faire bugger. En fait, il a mis int étoile étoile B. En fait, il a mis étoile étoile en pensant que c'est AB. Mais en fait, GCC l'a lu comme int étoile étoile espace B. Ah oui. Non, là, son problème, là, c'était vraiment. Oui, mais en fait. Parce que non, lui, non, je crois que là, c'est pareil. Non, mais sur tous ces types, il les met comme ça, je pense, ces variables. Tu captes ou pas? Ouais, ok. En gros, ce que t'as fait, avatar du néant, réécris int étoile étoile B. Enfin, du coup, GCC, il va bien le lire, parce que... En fait, si tu mets int étoile étoile B, en fait, sachant que le étoile étoile B, dans ce que a écrit Avatar du Néant, dans ce qu'il a envoyé, c'est collé à B, en fait, GCC va le lire int étoile étoile espace B. En fait, techniquement, il a pas besoin d'avoir... GCC a pas besoin d'espace, là, ici, entre ça et ça. C'est ça, ouais, il s'en fout, parce qu'il sait que c'est int étoile étoile. Mais du coup, en fait, cette notation, c'est égal à cette notation. C'est vrai qu'il faut pas confondre les deux. Ça, les deux là sont égales comme notation. Et en vrai, n'hésitez pas à relire le cours sur les pointeurs. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont expliqués. Et voilà. Est-ce que du coup, bon, on avait plein de trucs de prévus. Au final, le temps d'organisation, plus le temps d'expliquer plein de trucs, on n'a pas du tout fait tout ce qu'on voulait faire. Est-ce que du coup, il y a des questions sur des trucs qui ne sont pas forcément en rapport avec les pointeurs ou même par rapport avec les pointeurs? Yes. Attends, tu peux zoomer ou pas? Voilà. Si vous avez des questions, oui. Parce que ta liste, c'est une liste de int. Du coup, tu multiplies par la size d'un int. En fait, tu multiplies par la size de ce que va contenir la liste. Donc, dans la première liste, ça contient quoi? La grande liste, enfin la liste qu'on utilise. De quoi? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est des. La première liste elle contient quoi finalement? Voilà, du coup c'est pour ça que tu multiplies par la 16 dans int pointeur, parce que ça contient des pointeurs. Et dans la deuxième liste, donc dans chaque subliste, ça contient quoi? En fait, d'accord, donc tu parles d'une liste et dans laquelle il y a une liste. Non, le pointeur vers une autre liste, ça contient pas la liste. Chaque élément de la première liste, en fait, c'est les pointeurs de chaque subliste. Et du coup, chaque subliste elle contient des ints par contre. Voilà. Du coup, pas de questions, même dans le chat, les amis. Vraiment, n'hésitez pas, on est là pour ça. J'ai conscience que, voilà, on n'a pas forcément fait tout ce que vous voulez faire, mais n'hésitez pas, on est là. Tout le monde a compris pourquoi est-ce que dans le code qu'a envoyé Gil, du coup, qui est correct, dans le premier malloc, on met un int étoile, et dans le deuxième malloc, on met un int normal et pas int étoile. C'est clair pour tout le monde.
J'aime bien quand on a détourné le truc. Excel. C'est-à-dire. Viens regarder un truc. Là, j'arrive. C'est limpide. Limpide, parfait. On est vraiment des bons profs alors. Est-ce que tu peux dire à Clément de relâcher toute notre famille? Oh là, pas encore, pas encore. Est-ce que tu peux réexpliquer s'il te plaît pour la deuxième boucle? C'est quoi la deuxième boucle? Quelle deuxième boucle? Moi je suis pas là. Hein. T'inquiète, les profs arrivent. Ah voilà, il y a un prof qui arrive. Alors on te demande si tu peux réexpliquer la deuxième boucle. Ok. En gros, où est-ce que Axel a fait son truc? La deuxième boucle de. Il n'y a pas de deuxième boucle. Là, de ce qu'a envoyé Guillaume. Il n'y a qu'une seule boucle. Ah, il n'y a qu'une seule boucle. Pour le deuxième cast, en Int étoile sert pas, non. T'es Guy. Mais il n'y a pas de. Il n'y a qu'une seule boucle dans. Attends, je vais. Ce côté texte là. Hop. J'ai pas de clavier. C'est là. Ah, c'est. Ok. Du coup, on est d'accord, c'est avec ce code là que vous posez des questions. Pour le deuxième malloc, le cast en int étoile sert pas à nous. Ok. En gros, au début, on va faire un malloc avec une size off du pointeur int. Du coup, en gros, ce qui vaut 8 octets. Car toujours les pointeurs seront sur 8 octets. C'est pour ça que bah, du coup on fait une étoile. Du coup là j'aurais pu mettre 8 directement. Du coup on fait x A parce qu'on a envie d'obtenir A pointeur. Voilà. Et du coup ensuite on fait une boucle qui part de. Pourquoi est-ce qu'on n'initialise pas à 0? Moi j'aurais d'abord initialisé i à 0, comme ça c'est plus explicite. Mais du coup, en gros, bon, là on parcourt bien de 0 à A. Et matrix i. En gros, là ce qu'on a. Du coup, pour le deuxième malloc, on prend juste des int, parce qu'en fait on sait que dans notre matrice, ici là, hop, c'est ici, notre matrice, en gros, ça c'est la sous-liste. Du coup, le deuxième malloc. Ça correspond à un deuxième malloc. C'est vendredi, c'est pas samedi. C'est vendredi. Et du coup, en fait, on sait que dans ce deuxième malloc, on veut juste des int. Je sais pas. Ici, c'est un int. Ouais, il y a une billetterie. Là, c'est un int. Il y a plus de place. Là, c'est un int. Int encore. Et pareil, encore un int. Est-ce que vous avez compris ou pas? Ou je refais un schéma? Bah, c'est quand même. Mais ouais, n'hésitez pas à mettre le size t i égale 0 pour dire qu'on commence bien à 0. B2. Ah ouais. Excusez-moi, monsieur. Il y a un membre du B2 avec nous. Non, non. Ah non, 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 non. Du B2. Ah, mais c'est Alan. Alan, monsieur. Le mec, il a les cheveux blancs, très longs. Petite barbe. Ah non, je crois qu'il s'est rasé. En fait, je pense que s'il n'y a pas une idée, c'est bien. En vrai, ça va. Juste, ça fait giga gros parce que c'est en fonction de la pression de ton stylo. Tu peux pas le modifier. Si, mais en mode. Dans tous les cas, ça. Tu t'appuies, puis le truc. Pour décaler, faut que tu décales. Pardon, je suis désolé en distanciel. Non, mais j'ai pas porté les affaires. Ah, non, mais c'est en fait. Moi j'ai pas l'habitude que ce soit ça. Tu vois, personne n'a jusqu'à là. Et du coup, bah, je fais ça, là, des trucs bizarres. Mais là. Mais eux, ouais. Alors qu'en fait là finalement, ce que tu veux faire, toi, c'est raison. De toute façon, je peux cacher mes erreurs. What? Tu sélectionnes? Ah, ok, tu sélectionnes. C'est incroyable! C'est bien, hein? C'est bien, Mactualif! Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, présentiel veut déjà partir. Ils sont méchants avec nous. Yes, pas gentil. À distanciel, c'est quoi vos logins? Vous êtes plus là. J'espère que tout le monde a mis son login. J'espère que tout le monde est. C'est mieux. Là, sur mon deck. En fait, ça, c'est CTRL Z. Ah, c'est CTRL Z? Mais non. Ça, c'est vrai. En fait, il y a des raccourcis. En vrai, je pense que tu peux genre installer le driver, comme ça te fait d'autres raccourcis. J'ai pas.
Du coup, ouais, en fait, Clément, quand tu branches, débranches le micro, ça reset le son. Pourquoi tu reset le son ? Non, tout à l'heure, en fait, quand t'as branché le micro, ouais. On n'a pas réglé le son, et du coup, genre, c'est le minimum, et du coup, ils ont commencé à nous. Oh les pauvres. Ils vont nous entendre très très fort. Ça sert à quoi de mettre son login sur Moodle ? Dis-toi que ça va t'aider, et dis-toi que ça nous aide aussi. Nous, ça nous permet de faire des stats. Parce que, bon, on veut savoir combien. En gros, on fait genre. On va pas regarder si chaque personne revient à notre cours, on va regarder le nombre total de personnes qui viennent à notre cours pour savoir en gros bah, si c'est utile, si ça vous sert, si on a besoin d'en refaire par la suite ou pas. On vous annoncera très prochainement d'autres choses. Pour l'instant, voilà, c'est pour ça. De plus, ça peut te servir à un certain moment dans l'année. Mais là, je peux pas beaucoup en dire. Il aime trop utiliser en voiture. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est qui Thomas Thierry ? Thomas Thierry ? Oh, ok, je dis ok. Je vous connais pas. M'en fous, on est pas. Je t'ai volé ta place peut-être. Non. Ah, okay. J'aime bien debout, j'étais assis toute la journée. Ah, bah, j'espère. Et mid-term, max. Eh bien. J'ai une petite idée de quoi ça sert. Merci à tous d'avoir suivi ce cours. Mais c'est à vous de faire la langue. Bah oui, hein, vraiment, t'as commencé à le faire, mais bon. Et là, salut à tous. La place. Ouais, il prend la place. Est-ce qu'on met la musique d'outro YouTube ? C'est quoi la musique d'outro ? Non. Oh, s'il te plaît, viens la main sous le bord, s'il te plaît. Et tu sais que je l'ai déjà en train de parler de toi. Je me casse. Vous rangez, hein. Deux. Hein. On range. Moi j'ai quoi là ? Il est où mon télé ? Elle est là. Moi j'ai quoi là ? Salut, là, je viens te dire bonjour. Mettre quoi ? La musique d'outro. Ah, vas-y, attends. Ouais, vous pouvez y aller ensemble. Juste une question pour la soupe. Je trouve le principe. Ici on avait fait Maloc et dans la boucle on a fait plusieurs fois Maloc parce que du coup c'est une matrice et qu'on veut faire des arrêts dans la règle. Ouais. En fait, dis-toi que d'abord, t'as un grand Maloc qui va avoir toutes tes références. L'outro. Est-ce que le son est partagé sur Discord là ? Genre, c'est quoi qui est fait ? C'est un partage d'écran finalement ? Ouais, c'est un partage d'écran. Donc il y a le son dessus ? Non, bah non, il n'y a pas de son sur la partage. Genre là, faudrait que t'allumes genre Google et que là, tu mettes. Que tu montres l'histoire. Bah, en tout cas, merci à tous d'être venus, c'est super cool. On peut pas mettre de musique d'outro, sauf si c'est dans les émos de Discord, ça ce serait épique. Y'a pas dans Discord. Dans Soundboard, non, je crois pas. Attends. C'est la Soundboard. Attends, tu peux mettre la musique. Où ça ? Ça ? Ouais, on peut mettre la musique. Voilà, on va mettre la musique d'attente. Voilà, bref, non mais en fait ça a l'autre côté chez nous. Voilà, bah écoutez, merci à vous tous, c'était super cool d'être là. Parce que voilà, on sait que la prog c'est pas forcément la matière la plus... Mais surtout plus, là, c'est giga abstrait. Voilà, c'est abstrait. Et on est désolé parce que c'était un peu désorganisé, ça s'est fait à la dernière minute. Donc vraiment, merci les gens, c'est super. On est désolé, vraiment, ça s'est fait genre hier soir. Hier soir, Lenny m'a envoyé un message, on a rien pour la prog. Et du coup, bah, au final, on a fait un. Voilà. Voilà. Du coup, bah, j'espère que vous avez compris. Au pire, il y a toujours le channel programmation de Back to Basics. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. On est là, tu connais. Toujours ici. Puis voilà. Et n'oubliez pas du coup de vous mettre présent si vous n'avez pas déjà fait une présence. Même si je pense que c'est trop tard. C'est fermé. Voilà. Mais voilà. Merci à tous. Des bisous. Des bonne chance bisous. À vous. À plus, j'espère que demain vous allez réussir l'OC et la méthodo. Et que vendredi vous allez d'être ça en prog. C'était clean. Perso, je programmais sans comprendre. Bah. Ah bah là au moins t'as compris. Bah comprends genre quand tu programmes. Ouais, mais genre faut comprendre. C'est vrai ou c'est là juste pour. Tu veux notre numéro de téléphone, c'est ça ? Vas-y, je donne 0783. Et ok, bah super, merci à vous. On va peut-être arrêter parce que ça fait plus de temps qu'on dit au revoir. J'avoue. Vu qu'il n'y a pas de questions, des bisous tout le monde. Bonne chance à vous et ciao. C'est ciao. C'est ciao. Peace. Ciao. Du coup, je pense que tu peux enlever le truc OBS. Merci pour le live.